Retrouvez vos émissions préférées Equality sur le site www.equality-radio.fr. Equality, c'est votre émission contre les discriminations et pour l'égalité. L'union fait la force. Equality, c'est le sujet du jour. Aujourd'hui, on va parler de la PMA, procréation médicalement assistée, et la GPA. Tu sais ce que c'est, la GPA ? Gestation pour autrui. Donc, on va parler de tout ça en détail, en technique, et aussi par rapport à la loi, au projet de loi famille de qui aura lieu cette année. On ne sait pas si ça aura vraiment lieu, parce qu'à force d'être repoussé, ça a été déjà repoussé une fois l'année dernière, ça devait avoir lieu en mars, ça a été repoussé une nouvelle fois en décembre. On se demande si à force, si ce projet de loi va avoir lieu ou pas. Bon, eh bien, on va essayer de décortiquer tout ça. Deux manifestations qui quand même sont prévues demain par rapport à la manif pour tous. Peut-être qu'il y a des gens qui ne savaient pas. Ça aura lieu à Paris et à Lyon pour dénoncer le projet de loi famille, pour revendiquer le refus de l'accès à la PMA aux couples lesbiens et la gestation pour autrui, qui n'est même pas dans le texte, comme l'a rappelé Dominique Bertinotti. Hein, faudrait quand même le souligner. Mais c'est surtout l'occasion de marcher contre un fantôme qui agite l'actualité. La fameuse théorie du genre, on va en parler tout à l'heure dans les actus politiques par rapport à l'école, ça c'est quelque chose qui m'a beaucoup frappé, et qui serait enseignée dans les établissements scolaires. Donc le collectif ratisse large, et c'est le moins qu'on puisse dire. Le projet de loi sur la famille qui sera présenté au mois d'avril, ça a été repoussé au mois de décembre, ça va être présenté au mois d'avril quand même au Conseil des ministres, je tiens à préciser, qui n'abordera pourtant pas non plus l'élargissement de la PMA aux couples de lesbiennes. Dominique Bertinotti, ministre délégué à la famille, s'est dite très réservée sur tous ceux qui agitent des peurs, des fantasmes, sur des choses qui ne sont pas aujourd'hui matière à discussion dans aucun cercle institutionnel, tout en précisant, je cite, « Nous avons été très clairs sur la PMA qui ne fera pas partie de la future loi famille, la position du président de la République, et on ne peut plus clair, sur la gestation pour autrui. Pourquoi aller chercher à renouer des inquiétudes, des angoisses, alors que précisément, nous avons besoin de retrouver de la sérénité, de l'apaisement et de la confiance. » La manif pour tous, qui a toujours excellé dans le domaine de la manipulation et de la désinformation, ce n'est pas un scoop. Il y a déjà eu plus de 7000 mariages de couples homosexuels en France depuis mai 2013. Un chiffre qu'on a déjà parlé il n'y a pas longtemps. Ouais. Et ça n'a rien changé dans notre vie quotidienne. C'est vrai, il y a eu 7000 mariages. Est-ce que pour autant, il y a eu des problèmes par rapport à ça? Ah non. Non. Est-ce qu'il y a eu des manifestations contre les 7000 mariages? Non. Ben non, puisque les gens ont... De toute façon, on n'a pas le choix d'accepter comme qu'il y en a qui se marient, et voilà. Non, mais c'est pas ça. Tu vois, il y a le côté mariage. Ça, ils ont fait un scandale avant que le projet de loi ait été. Je parle cette fois du mariage pour tous. L'année dernière, avant que ce projet de loi ait eu lieu, il y a eu tout un scandale avec les manifestations ici et là. Mmh. Et une fois que ce projet de loi a été voté, est-ce qu'il y a eu autant de scandales? Non, à part bien sûr Frigide Barjot qui a fait siennes et qui fait toujours voilà. Comme d'habitude, hein. De toute façon, il faut que faut bien qu'il y en ait qui cassent les bonbons. Ah oui, mais de toute façon, là j'ai l'impression, et puis là ils sont en train de faire ce coup-là parce qu'ils ont créé un parti politique, et j'en parlerai tout à l'heure. Et tout ça parce qu'ils veulent se mettre en avant, se mettre plus haut que tout, en se disant qu'ils ont toujours raison, et en plus ils ont raison dans le mauvais sens du terme. Voilà, il faut être clair. Au niveau religieux, de toute façon, est-ce que nous on critique leur religion? Non, nous on respecte leur religion, alors qu'ils respectent nos convictions et tout ça. On respecte les leurs, qu'ils respectent les nôtres. C'est pas la peine qu'ils en fassent, qu'ils continuent à faire leur scandale, et on se croirait il y a un an. En plus, ça tombe bien parce que ça fait un an qu'il y a eu la manif à Paris. Je me souviens, c'était le 27 janvier qu'on avait fait à Paris. Là, c'était pour l'égalité. Là, maintenant, un an après, la manif pour tous qui a remis une couche par rapport à l'adoption, par rapport à la GPA, par rapport. La GPA n'aura pas lieu dans la loi famille, mais au moins par la PMA. Ils vont remettre encore dans le bain le souci de l'adoption pour les couples homosexuels. Et en plus, ils vont encore plus loin, c'est qu'ils vont mettre des amendements aussi contre la PMA. L'UMP qui a déposé des amendements, donc j'en parlerai aussi plus tard. C'est ridicule, mais bon, on va décortiquer tout ça. Alors, la manif pour tous, donc je l'ai dit, est toujours excellée dans le domaine de la manipulation.
Et cela n'a rien changé dans notre vie quotidienne. Aucune colère divine, aucun bouleversement de civilisation par rapport au mariage pour tous l'année dernière. Par rapport au Front National et UMP, parce que c'est quand même les deux partis qui se mettent en commun par rapport contre justement l'adoption et aussi pour le mariage, contre le mariage pour tous, faut pas l'oublier. Alors, le mouvement se définit toujours contre étant apolitique. Là, je parle d'un manif pour tous. Pourtant, ses sympathisants sont souvent issus des milieux de droite ou, ce qui est bien plus inquiétant, de l'extrême droite. Un bon nombre de candidats du Front National aux prochaines élections municipales ont signé la charte de la manif pour tous. La présence d'un responsable de la manif pour tous sur la liste UMP d'Alain Juppé à Bordeaux provoque actuellement un tollé général, sans compter la récente création du sens commun, qui est un mouvement qui rassemble les membres de la manif pour tous qui souhaitent s'investir au sein de l'UMP. Alors, plus surprenant encore, la Manif pour tous a diffusé récemment un document de 12 pages dans lequel elle indique à ses militants quels sont les éléments de langage à adopter s'ils sont abordés par des journalistes lors des manifestations de dimanche, qui aura lieu demain donc. Elle liste 30 questions qui pourraient être posées et propose pour chacune d'entre elles une réponse courte pour caler le journaliste dans ses lignes. De nombreux thèmes sont abordés, donc l'homosexualité, l'égalité homme-femme, les stéréotypes, l'enseignement de la théorie du genre dans l'école, le mariage pour tous bien sûr, le rôle de l'église catholique et les modèles familiaux. Donc ça, ce sont les sujets qui ont été abordés. Le mouvement tente également de se débarrasser de toute suspicion d'homophobie. Alors moi, personnellement, je suis désolé, je reste là-dessus sur les suspicions, vu les pancartes qu'on a vues l'année dernière par rapport aux manifs contre le mariage pour tous. Je suis désolé, je résiste et je persiste là-dessus. Quand on voit des panneaux en disant l'homme, même dans l'Assemblée nationale, quand on entend des députés UMP en disant l'homosexualité, c'est une déviance, tout ça, tout ce que vous voulez, je suis désolé. Et quand vous voyez aussi dans les pancartes que l'homosexualité et en plus ils maintiennent là-dessus que c'est une maladie, il faut faire attention, et même sur Internet, n'en parlons pas, sur Internet ça va encore plus loin. Donc qu'on nous dise qu'il n'y a pas d'homophobie, je suis désolé, on reste là-dessus, et moi je persiste, il y a toujours de l'homophobie, et on a intérêt demain de faire très attention, d'être prudent par rapport à cette manifestation, savoir qu'est-ce qu'ils vont mettre en pancarte et en parole. On va voir s'il n'y a pas d'homophobie, on verra ça demain, et on en parlera samedi prochain dans la prochaine émission. Donc, une citation qui dit « Nous sommes pour le respect de la différence sexuelle et de la complémentarité homme-femme qui est fondatrice de l'humanité et qui est une richesse pour chacun et pour la société tout entière. Ces personnes sont des hommes et des femmes avant tout. Elles doivent être respectées comme telles, les définir en fonction de l'orientation sexuelle qu'elles choisissent, comme le fait de gender, de gendé si vous voulez en français, est profondément réducteur et homophobe. La Manif pour tous est consciente des potentiels débordements de langage qui pourraient nuire à son image. Moi, je m'inquiète pas là-dessus. Ils ont pas besoin de faire des paroles. Ils ont déjà eux-mêmes détruit leur image par rapport à tout ce qui s'est passé l'année dernière. Elle verrouille sa communication de manière drastique. Une leçon tirée du nauséabond jour de colère de dimanche dernier, probablement. Donc, il y a un nouveau parti politique qui a été créé. Ça s'appelle la LMPT. Voilà, qu'est-ce que ça veut dire la LMPT ? Je vais vous dire après. Donc, cette dernière volonté de s'assurer d'avoir la main sur ses militants, le collectif semble vouloir se transformer en un parti politique fourre-tout, de la droite et de l'extrême droite. C'est la seule option qui permettrait d'assurer la survie du mouvement. Les peurs imaginaires qui ne cessent d'agiter pour mobiliser les foules ne feront plus allusion, tôt ou tard. Ce qui est cocasse, c'est que la Manif pour tous a toujours hurlé à la dictature socialiste. En imposant des réponses aux questions posées par les journalistes, le mouvement montre clairement que la liberté d'expression n'existe pas dans ses propres rangs, un procédé bien peu démocratique. Elle se positionne de plus en plus clairement dans une approche politique des sujets de société divers et variés. Le mouvement spontané qui a été créé par l'autoproclamé attaché de presse de Jésus, Frigide Barjot, qui semble n'être qu'un lointain souvenir. Alors, la Manif pour tous ne lâche rien, surtout pas sa communication. Le collectif né en 2012 pour lutter contre le mariage pour tous, qui s'est illustré tout au long de l'année 2013, organise deux rassemblements dimanche, donc demain février, je l'ai dit, à Paris et l'autre à Lyon. Cette année, les revendications de la Manif pour tous sont larges. Donc, la dénonciation du futur projet de loi famille, le refus de la procréation médicalement assistée à la PMA, qu'on en reviendra après en détail, et de la gestation pour autrui. De la diffusion aussi de l'idéologie du genre à l'école, de la réduction du congé parental, de la fiscalité contre les familles, il est temps de mettre un terme à tous ces projets LGBT et anti-famille, résume le collectif après avoir égrené ses doléances. Donc, c'est bien ce qu'on dit. Donc, ils disent que ce n'est pas, ils sont pas homophobes. Et quand je vois
la phrase, là, je viens de vous la citer, là, c'est des paroles de la Manif pour tous. Ils disent, il est temps de mettre un terme à tous ces projets LGBT. À part ça, c'est pas homophobe. Mmh. Qu'est-ce qu'il y a, là, ils disent à tous les projets LGBT, je suis désolé. Ouais, non, mais bon, voilà. Donc là, ils attaquent, non, quand je vois, quand ils disent qu'il est, à tous les projets LGBT, donc ils attaquent pas uniquement le mariage pour tous, pour moi. Non, là, ils attaquent vraiment tous les projets, y compris sûrement aussi la prescription contre l'homophobie, tout ça, que je suppose qu'ils vont attaquer aussi l'homosexualité dans toute sa splendeur. Je m'y attends. C'est bizarre parce que, tu vois, ils attaquent par rapport au centre LGBT, par rapport à tout ça. Mais au niveau politique, ils attaquent pas les politiques au niveau politique LGBT. Au niveau politique, ils ont plus attaqué le PS, le Parti Socialiste, pour eux, pour la Manif pour tous, pour eux, ils parlent de dictature socialiste. Mmh. Et par rapport au LGBT, moi, ce qui me frappe, quand ils disent qu'ils sont pas homophobes et qu'ils disent qu'ils vont mettre un terme à tous ces projets LGBT. Mais voilà. Ouais, mais ce que je voulais dire par là, c'est que... Pour les politiques qui sont homosexuels et tout ça, ils n'en parlent pas, ça, par contre. Mais il y a pire que ça. C'est qu'il y en a qui sont homosexuels et qui sont aussi contre le mariage pour tous. Oui, non, mais ça, après... Je ne sais pas si tu es au courant de ça. Je ne sais pas si tu en as entendu parler l'année dernière. Bon, qu'on soit pour ou contre, comme je l'ai dit depuis tout le temps, depuis un an, qu'on soit pour ou contre, peu importe, on accepte et on... Voilà. Et on n'a pas... Ça, c'est l'opinion de chacun. Je ne comprends pas pourquoi... Ce qu'ils cherchent exactement... Mais créer un politique comme ça, mais ils vont se faire massacrer. Ce qui continue, c'est que ça va se retourner contre eux. Faut qu'ils fassent gaffe. Qu'est-ce qui te fait dire que ça va se retourner contre eux? Ah, mais ça va se retourner contre eux. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui te fait dire ça? Par rapport à leur façon de faire, par rapport à leur façon de faire, automatiquement, ça va se retourner. Mais ce qui me fait peur, c'est eux qui vont être les preuves. S'il y a des manifestations pour la PMA... Contre la PMA, contre la PMA. Non, mais contre. Alors, mais s'il y a des manifestations qui sont pour la PMA, automatiquement, c'est les premiers qui vont être visés. Je pense que l'intérêt LGBT, et puis toutes les associations LGBT de France, nous y compris, je pense que s'il y a des manifestations pour la PMA, comme il y a eu l'année dernière par rapport au mariage pour tous, on sera là, quoi. Il n'y a pas de problème. Je pense qu'on attend, parce que comme le projet de loi aura lieu en décembre, je pense que la PMA, ils vont mettre ça pour le 17 mai, pour la journée contre l'homophobie, et pour les Gay Pride, ça sera, je pense, le thème de l'année. Je pense. On verra. On verra, mais il me semble que ça sera le thème de l'année des Gay Pride par rapport à la PMA. On en parlera. Mais sauf que nous, on n'a pas l'esprit tordu, voilà quoi. C'est tout. Mais il faut qu'ils arrêtent un peu Ce qui me fait peur, c'est qu'ils disent, ils disent qu'ils sont pas homophobes. Moi, ce qui me fait peur, c'est qu'avec leurs paroles et tout. Mais ce qui me fait peur avec tout ce qu'ils font là, c'est qu'ils vont justement engendrer l'homophobie en France. C'est ce qu'ils veulent. Mmh. C'est ce qu'ils veulent justement. Leur parti, il a été créé pour ça justement. Oui. Justement, il a été créé pour ça. Et normalement, à ce compte-là, il devrait même pas exister. Et voilà, un truc comme ça. Quand tu regardes un truc comme ça, ils sont contre. Ouais, mais bon, de toute façon, il faudra bien qu'ils l'acceptent. Hein. Ils ont dû accepter le mariage pour tous. Alors pourquoi ils acceptent pas la PMA? De toute façon, ça va faire comme la politique. Ils font en sorte de le retarder, mais le jeu, c'est parce qu'ils craignent. Ils craignent que ça se développe plus vite. Alors, parce qu'il y a pas mal de demandes, justement, par rapport à ça, c'est pour ça. Bon, je continue. Comme pour ces précédents rassemblements, la Manif pour tous reprend ses codes visuels aussi. Le rose et le bleu qui symbolisent la complémentarité homme-femme. Elle propose aussi sur son site un kit du manifestant avec pancarte et slogan, ça il faudra qu'on vérifie, validé par l'organisation. Lors de ces grands rassemblements organisés en 2013, le collectif avait également diffusé des consignes aux participants afin de maîtriser au mieux son image. Pour les rassemblements du 2 février, donc demain, la Manif pour tous va plus loin. Elle diffuse auprès de ses militants des éléments de langage. Il y a France Télévisions Info qui s'est procuré de ce document. D'ailleurs, je crois que je l'ai quelque part. Qu'ils ont d'ailleurs envoyé un email. Voilà, j'ai le mail, tiens. Voilà ce que dit le mail de la Manif pour tous. Bonjour, plus qu'une semaine avant la manif européenne, ah oui parce que c'est européenne, j'ai oublié de vous dire, du 2 février. Celle-ci sera comme toujours couverte par la presse et les journalistes s'adonneront sans doute à leur sport favori, le micro-trottoir. Exercice très difficile pour la personne interrogée, surtout si vous n'êtes pas habitué. Très facile pour un reporter éventuellement malveillant, ça peut vous arriver, sait-on jamais, ne manipuler les propos d'une interview. Heureusement, LMPT bichonne ses militants. Voici en pied
pièce jointe, un petit mémo listant les questions habituelles des journalistes, avec des réponses adaptées pour chaque question, une réponse brève et une réponse détaillée. D'ailleurs, je l'ai. Pas besoin de tout apprendre par cœur, mais lire ce petit document vous permettra de comprendre l'esprit avec lequel il faut réagir face à la presse, comment repérer les questions pièges et comment les retourner à notre avantage. Alors, ce document pièce fait 12 pages. J'espère que je l'ai toujours sur moi parce que je ne l'ai pas trouvé. Est-ce que je l'ai quelque part? Alors il doit être à côté, il faudra que je vous le retrouve. Ce que je vais faire, ce que je vous ferai une fois qu'il y aura la pause, j'irai chercher le document de 12 pages, on en fera un petit débat par rapport à ça. Mmh. Je ne l'ai pas sur moi, donc je pensais l'avoir. Or, je ne l'ai pas. Ça commence bien. Donc, 30 questions de journalistes sont listées. La manif pour tous qui propose pour chaque question une réponse courte pour caler le journaliste dans ses lignes et une réponse détaillée. Donc je l'ai dit. Donc gender qui est un stéréotype sexué qui est le rôle de l'église. Le cœur de ces éléments de langage est constitué de l'opposition au gender. Alors gender en français j'en dis, G-E-N-D-E-R. La théorie du genre. Ce terme abusif fait référence aux études sur le genre, au champ de recherche interdisciplinaire davantage exploré dans le monde anglo-saxon. Ces recherches tendent à démontrer que le sexe biologique ne suffit pas à faire un homme ou une femme et que les normes sociales y contribuent, mais ces travaux ne constituent pas, à proprement parler, une théorie politique. Donc comment la Manif pour tous définit-elle le gender ? Donc voilà ce qu'ils disent, voilà ce que la Manif pour tous répond. C'est la négation du corps au profit de la seule satisfaction de ses désirs, c'est donc la négation de l'homme, c'est entrer dans un monde virtuel, artificiel, grand bal masqué qui mène au désespoir. Ils y vont fort, hein. Ouais, non, mais je vois pas où c'est qu'ils veulent en venir avec leur... Donc la négation du corps, chacun fait ce qu'il veut de son corps, à ce que je sache. C'est ça que je comprends pas, c'est la négation du corps. Pour eux, s'ils veulent, ils font ce qu'ils veulent de leur corps, mais les gens sont libres de faire ce qu'ils veulent de leur corps. Est-ce que nous, on doit dire quelque chose par rapport quand on donne notre corps à la science? Ah non. Bah justement, c'est idiot. Chacun est libre de faire ce qu'il a envie. Il y en a qui souhaitent donner leur corps à la science, et pourtant c'est au niveau religieux, c'est censé être un scandale. On n'entend pas parler de ça. Là, ils en font tout un speech, tout un scandale, en disant que la PMA, la GPA, c'est la négation du corps au profit de la seule satisfaction de ses désirs. Zut quoi. Il faut arrêter un petit peu les conneries quoi. Excusez-moi d'être un peu vulgaire, mais voilà quoi. Il faut être clair. Dans le viseur de la manif pour tous, il y a aussi le programme ABCD de l'égalité qu'on en parlera dans les actus politiques, destiné à lutter contre les inégalités entre filles et garçons de la maternelle au collège et qui est particulièrement visé par la manif pour tous. Voilà ce que dit la manif pour tous. L'ABCD de l'égalité n'apprend pas à respecter l'autre dans sa différence. Il apprend que chacun choisit ce qu'il veut. Il n'y a aucune norme. C'est anti-éducatif. Alors qu'est-ce qu'on doit dire quand... Alors pour eux c'est anti-éducatif ça, et par contre en disant que l'homosexualité est une déviance, pour eux ça serait... Ah oui, là par contre ça serait dans les écoles, ça serait normal ça pour eux. Non mais il faut arrêter les bêtises, surtout que l'homosexualité n'est pas une maladie. Par contre voilà, si on dit dans les écoles que l'homosexualité est une maladie, là vous allez voir qu'ils vont être la manif pour tous, vont être très très contents, vous allez voir. Et ça pour eux c'est normal. Je sais pas si vous voyez un petit peu l'image que j'essaie de porter. Bon, c'est un petit peu ce qu'on est en train de comprendre, c'est-à-dire que tout de toute façon, je vais être encore plus simple, tout ce qui est homosexualité, tout ce qui est LGBT, pour eux, il n'y a rien de normal. Voilà. Donc pour eux, il faut que dans tout ce qui est éducatif et dans tout ce qui est dans la norme, de toute façon, pour eux, l'homosexualité, c'est ni normal, pour eux, c'est une maladie, c'est tout ce qu'ils veulent. Mmh. Ils font tout justement pour éviter de le dire haut et fort, parce qu'ils savent que ça va se retourner contre eux, mais qu'ils ne me fassent pas croire que dans leur esprit, dans leur tête, c'est ce qu'ils cherchent. Donc, non, c'est pas forcément ce qu'ils cherchent, mais mais moi, j'aimerais bien que ça... C'est con ce que je vais dire, mais j'aimerais bien que ce parti se casse la gueule, parce que, à mon avis, je suis pas sûr. Je suis pas sûr qu'ils s'aperçoivent qu'il y a peut-être des homosexuels dans leur parti aussi. C'est-à-dire, vas-y, explique-toi. Il y a peut-être des homosexuels dans leur parti. Ah, sûrement. Oui, mais des je pense. Des anti-mariage et anti-PME, GPA. Oui. Peut-être. Mais bon. Et comment ils sont acceptés là-dedans aussi? Alors, essaye de m'expliquer ce que tu veux. Eh ben, ça serait. Voilà, ils sont peut-être. C'est peut-être des homosexuels qui sont. Ou des lesbiennes ou des trans qui sont peut-être qui font partie de ce parti politique, mais qui sont qui sont contre la PMA et la GPA. Mais comment le président de ce parti justement
si est-il au courant qu'il y a peut-être des homosexuels qui font partie de son propre. Alors, puisque ça... c'est un manif. Voilà. Alors je suppose que ça permet de nous poser une question. Qu'est-ce que pourquoi des homosexuels? Qu'est-ce qu'ils cherchent? Non mais c'est pire que ça. Exactement. C'est qu'est-ce que des homosexuels qui sont censés vivre pleinement leur sexualité, qu'est-ce qui leur pousse à soutenir ça, ouais. Oui, mais même à soutenir ce genre de voilà, de mouvement, ce je genre de collectif. Qu'est-ce qui leur pousse? Qu'est-ce qui leur dérange? C'est sur le côté religieux ou est-ce que c'est vraiment le côté comme ils disent la négation du corps? Est-ce qu'ils se rendent compte que ces personnes-là des homosexuels soutiennent des choses qui sont anti-égalité et bien sûr ouais, anti-droit LGBT. Je ne comprends pas ces genres de... Ouais, mais de toute façon, on n'arrivera jamais à savoir ce qu'ils pensent vraiment. Alors, c'est ça le problème. C'est-à-dire ? Bah, je sais pas, moi, personnellement, voilà. Comme, de toute façon, chacun est libre de penser ce qu'il veut. Mais, voilà. Le problème, il est que... On ne peut jamais savoir ce qui se passe dans la tête de chacun. Tout à fait. Bon, moi, j'essaie de trouver ce que j'ai perdu, c'est-à-dire mes 12 pages. Voilà, je l'ai trouvé, le document de 12 pages. c'est-à-dire que... Il y a... Comment vous expliquer ça? Et c'est-à-dire... Voilà, je les ai, 12 pages, il faut que je trouve... C'est un document PDF, alors il faut que ça se prenne du temps. Voilà, donc j'ai des questions, et comme ça, on va essayer de répondre par nous-mêmes. Il y en a 12. On a vu apparaître, voilà, première question. On a vu apparaître le mouvement La Manif pour tous à l'occasion du débat public sur le mariage pour tous. Et aujourd'hui, on voit apparaître le mouvement Vigigender. C'est qui et c'est quoi? Ça, c'est une question. C'est qui? Bah, c'est un groupe de personnes qui sont contre. Contre la PMA et la GPA. C'est les réponses. Alors, ce sont des réponses de la Manif pour tous que je suis en train de. Ce sont des questions et des réponses de la Manif pour tous. Alors, réponse de la Manif pour tous. Ce sont des parents qui, en tant que premiers éducateurs de leurs enfants, défendent pour eux une école sans idéologie du genre. Nous ne voulons pas que l'école rééduque nos enfants. Et en réponse détaillée, ils disent que Vigigender est un collectif rassemblant des grands-parents, parents et jeunes s'engageant pour une école excluant le gender comme fondement des programmes et activités scolaires et périscolaires. Je vous rappelle que l'ABCD pour l'égalité, ça sera un sujet politique en deuxième partie. Alors, deuxième question, alors là, c'est une question qui tue. Vous êtes contre la lutte contre l'homophobie. Ça va, vous suivez la question. Vous êtes contre la lutte contre l'homophobie. Ça veut dire qu'ils sont pour l'homophobie, en quelque sorte. Ça, c'est une question. Réponse de la Manif pour tous. Ils disent, nous sommes pour une lutte contre l'homophobie qui respecte chacun comme homme ou femme et qui ne réduit pas les personnes à leur orientation sexuelle. Bonjour. Par contre... Là, ça sent l'hypocrisie. C'est pire que l'hypocrisie. Là, c'est du foutage... excusez-moi de parler comme ça, mais là, c'est du foutage de gueule. Là, c'est du gros foutage de gueule. Avec ce qu'ils ont marqué sur les pancartes, il y a un gros foutage de gueule. Et alors, je vais en mettre une couche en réponse détaillée, ce que la Manif pour tous a dit sur ce sujet. Ils ont dit, il faut apprendre aux enfants à se respecter dans leurs différences en tant que garçon ou fille, digne d'être aimé en tant que tel. L'orientation sexuelle ne définit pas la personne relève de la vie privée. L'idéologie du gender réduit la personne à son orientation sexuelle. Ainsi, nous ne serions définis que comme des homosexuels, des hétérosexuels, des bisexuels, etc. Nous récusons cette vision réductrice de la personne et nous condamnons toute forme d'homophobie. Je n'y crois pas du tout. Je vous le dis franchement. Franchement, moi non plus, j'y crois pas parce que là, je pense que, à mon avis, ils ont fait ce communiqué par rapport aux questions. Ils ont fait par rapport à cette question. Oui. En fonction, je crois qu'à mon avis, ils ont fait des questions à l'aveugle. Oui. Le problème, il est là, c'est qu'ils ont fait des questions-réponses à l'aveugle, sans savoir ce que les journalistes allaient poser comme question. Alors, pour en mettre une troisième couche, troisième question, vous êtes contre l'homosexualité. Oh, punaise. Bah, automatiquement. Bah, moi, personnellement, avec ce que j'ai vu l'année dernière, par rapport à l'expérience que l'année dernière, associative qu'on a vue l'année dernière, il y a de quoi dire. Bah, oui. Là, je me fie aux pancartes et aux paroles qu'ils ont dit sur Internet. Je dis franchement, les pancartes au niveau des manifestations, par rapport aux manifestations, aux pancartes, par rapport à ce que j'ai vu sur Internet, et aussi par rapport à ce que les trucs de justice, justement, qu'on n'a pas de nouvelles, par rapport à ça. Alors,
Voilà ce qu'ils répondent sur la troisième question, vous êtes contre l'homosexualité. Et voilà, la manif pour tous dit ceci. Nous sommes pour le respect de la différence sexuelle et de la complémentarité homme-femme qui est fondatrice de l'humanité et qui est une richesse pour chacun et pour la société tout entière. C'est vague, hein. C'est pas très... Nous sommes pour le respect de la différence sexuelle et la complémentarité homme-femme qui est fondatrice de l'humanité. Ouais, en gros, pour moi, c'est je trouve ça un peu... Ouais, ils sont contre. Non, ils sont pour le respect de la différence sexuelle, donc ils sont pas contre. Mais... Mais moi, non, ils le disent pas clairement, mais il y en a beaucoup qui sont contre. Alors, voilà ce qu'ils répondent en détail sur ce sujet. Ils disent « Être contre le gender, c'est-à-dire la théorie du genre, c'est respecter les personnes homosexuelles. » Ah bon, je ne sais pas où ils respectent les personnes homosexuelles, premièrement. Ensuite, ils rajoutent « Ces personnes sont des hommes et des femmes avant tout. » Ça, c'est vrai. Ça, je suis d'accord. Elles doivent être respectées comme telles, les définir en fonction de l'orientation sexuelle qu'elles choisissent, comme le fait le gender, est profondément réducteur et homophobe. Alors pour eux, la théorie du genre, c'est homophobe. Ah bon? Et je me demande qu'est-ce qui leur permet de dire ça. Alors ça veut dire que faire la théorie du genre, c'est homophobe. Par contre, ce qu'ils font eux, ce n'est pas homophobe. Être, comme ils ont dit tout à l'heure, faire tout ce qui est anti-LGBT, ce n'est pas homophobe. Non, bien sûr. Mais ils se foutent un petit peu de la gueule du monde. Ils essaient de faire une image, d'essayer d'avoir une petite image, vous savez. Ils essayent, mais c'est non. Ils essayent de se donner une image qui ne sont pas du tout la leur, parce qu'ils essayent de sensibiliser un petit peu les gens au niveau politique et au niveau de tout ça. Or, quand dans le fond et en privé, il faut pas me faire croire quand ils se font des réunions privées tout ça, tout ce qui doit être dit sur l'homosexualité en réunion privée, ça doit donner, hein. Donc qu'ils nous font pas croire en public tout ça, alors qu'en privé ils doivent pas se gêner pour rabaisser, pour remettre plus bas que terre l'homosexualité dans toute sa splendeur, je veux dire. Voilà. Non, mais c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'à mon avis il doit y avoir des homosexuels là-dedans et que je comprends pas pourquoi leur Et je les plains d'ailleurs, je les plains ceux qui font partie de ce mouvement, ce parti politique. C'est que ça les détruit personnellement. Après, ils font ce qu'ils veulent. S'ils ont envie de faire partie d'un parti politique qui les détruit et qui nuit à leur image personnelle, autant bien personnelle que professionnelle ou autre, si ça les détruit personnellement, ça c'est leur problème. Ce qui est chiant, c'est que c'est de foutre... Ils sont figés sur quelque chose par rapport à l'homosexualité, quoi qu'il en soit. Parce que là, de toute façon, c'est un mouvement religieux, faut être honnête. Ils sont figés sur une phrase par rapport à la Bible, que l'homosexualité est une déviance, en quelque sorte. Bon, j'ai pas la phrase exacte de la Bible, mais c'est dans ces propos-là. Ils sont figés là-dessus, ils sont ancrés dans ces propos-là, ils restent dans cette idée-là. Donc forcément, tout ce qui touche homosexualité, tout ce qui touche la lutte contre l'homophobie, eux, les religieux, quoi qu'il en soit, ils seront jamais d'accord. Et donc là, ils sont en train de faire un truc, tout ça parce que le mariage pour tous s'est passé l'année dernière, ça y est, ils se sentent offensés, et ils se sentent scandalisés, alors que nous, finalement, alors que la religion n'a pas tout pouvoir, d'une part... Mais elle n'a aucun pouvoir, puisqu'elle ne fait plus partie de l'État. La religion n'a aucun pouvoir politique là-dedans. Ah non ? La religion peut donner, ils peuvent donner leurs idées, ils peuvent donner leurs opinions, mais ils n'ont aucun pouvoir... politique. Et d'ailleurs, j'ai l'impression que c'est ce qu'ils cherchent. Maintenant, ils essaient de chercher de mélanger religion et politique. Moi, j'avoue que ça me dérange un peu. Oui, ils essayent de revenir au niveau politique. Ouais, mais la religion et la politique, c'est deux choses différentes. Je sais pas ce qu'ils ont là-dedans, mais pour moi, c'est deux choses qui n'ont rien à voir. Mais je pense qu'à mon avis, il ferait mieux de relire la Bible aussi. Il y a des fois, il ferait mieux de la relire parce que je crois qu'il y a des choses qui sont marquées mais qui disent pas forcément. On continue. Question numéro 4 qui est posée à la manif pour tous. Vous n'aimez pas l'idée d'égalité homme-femme? C'est vrai que c'est cash. J'aime bien, les questions sont assez cash. Moi, j'aime bien. Réponse de la manif pour tous qui dit « Nous sommes pour une égalité respectueuse des spécificités de l'homme et de la femme. Égalité ne veut pas dire identité. » Alors, là, qu'on soit bien clair, pour eux, ils disent « Nous sommes pour une égalité respectueuse des spécificités de l'homme et de la femme. » Donc, il faut pas oublier que pour eux, là, je reviens sur le mariage pour tous, que pour eux, un couple, c'est un homme et une femme. Donc, pour eux, l'égalité se base sur ça. Si j'ai bien compris leur... Apparemment, ouais.
c'est pour eux, c'est ça. Leur égalité, à eux, selon eux, c'est l'homme et la femme. Hein? C'est tout. Oui, c'est... Ça veut dire oui, que deux. Adam et Ève, c'est... Donc pour eux, deux hommes ensemble, pour eux, c'est pas égaux, et deux femmes ensemble, c'est pas égaux, pour que ça soit égal, c'est un homme et une femme. Voilà, 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 en fait, si j'ai bien compris, leur façon de parler. Ouais. Et en détail, ils disent que nous récusons fermement ce procès en machisme. Nous sommes bien sûr attachés à une égalité de droits entre hommes et femmes. Il y a encore fort à faire dans ce domaine, concernant la conciliation entre vie professionnelle et vie familiale, concernant les salaires. Nous sommes pour une égalité respectueuse des différences entre l'homme et la femme, respectueuse des spécificités de chacun. Égalité ne veut pas dire identité. Aujourd'hui, en voulant détruire les stéréotypes sexués sous prétexte d'égalité homme-femme, c'est l'indifférenciation des hommes et des femmes qui est visée. Vous voyez, ils sont toujours basés homme-femme, 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 homme-femme. Je suis d'accord que je suis d'accord pour l'égalité homme-femme, personnellement, mais pas dans la sexualité. Ils confondent deux choses. L'égalité homme-femme n'a rien à voir avec la sexualité. Hein. Non. C'est le sexe qui est le sexe, oui, doit être égal, mais la sexualité, il n'a rien à voir. On a le droit, chacun est libre de choisir sa sexualité. En revanche, ils confondent discrimination liée au sexe et discrimination liée à la sexualité. Là, ils confondent deux choses différentes pour moi. Dans le sexe, oui, un homme et une femme doivent être égales par rapport aux politiques, par rapport aux administrations, par rapport au salaire, par rapport à tout ce qu'ils veulent. Ok, là, je suis d'accord. Mais là, ils sont en train de mélanger le sexe et la sexualité. Je me demande s'ils savent, s'ils comprennent ce qu'ils disent, en fait, finalement. Non, je crois qu'à mon avis, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'ils ont fait les réponses aux questions sans avoir pris connaissance déjà des questions que les journalistes allaient poser ce jour-là, demain. Parce que, à mon avis, c'est pas... À mon avis, je pense que s'ils ont diffusé ce truc-là... à tous leurs membres, je pense qu'à mon avis, ils vont avoir une sacrée surprise si les questions qui sont là, c'est pas celles qui sont posées demain. Ah ben, je sais pas, mais en tout cas, ils se servent de ces 12 questions, parce que là, on en est à la cinquième après. Mm-hmm. Ils se servent de ça comme outil, en essayant de se mettre une image, si tu préfères, mm-hmm. Qui n'est pas ce que les gens pensent. Alors que je suis désolé, ils nous feront pas berner tout ce qu'ils veulent par rapport à leur réponse qui vise ils sont pour l'égalité, mais ils visent l'homosexualité, mais on n'est pas contre, mais on est contre l'homophobie, mais on est pour l'égalité homme-femme. Enfin, ils mélangent, ils essayent de détourner un petit peu leur image, en fait, si je peux faire. Ah non, mais c'est pour éviter que ça fasse un scandale politique. On va voir si ça se confirme. Cinquième question. Ne pensez-vous pas qu'il est important de rééquilibrer les tâches ménagères dans le couple ? Alors là, j'arrive pas. Qu'est-ce que ça a à voir avec Alors, je sais pas. Alors, voilà, ça, c'est une question. Je me demande qu'est-ce que ça vient faire là. On va quand même faire en réponse courte de la manif pour tous. Si c'était l'objectif visé par le gouvernement, ce n'est pas un livre comme Papa porte une robe qu'il faudrait montrer aux enfants à l'école, comme le préconise un syndicat d'enseignants. Mais Papa passe l'aspirateur. Alors, si je comprends bien, alors c'est pas, ça fait un petit peu macho, quoi. En gros, un homme, c'est voilà, quoi, c'est l'homme, quoi. Vous voyez, je le fais un petit peu en version pour eux. La manif pour tous, un homme, ça doit être un homme, quoi. Voilà, qui travaille, qui est comme ça, qui a des convictions comme ça, et pas quelqu'un qui est déguisé en robe. Là, ça vise bien sûr les transidentitaires, entre autres, et bien sûr les travestis aussi. Mmh. Bon, et à part ça, c'est pas homophobe. Ah, mais là, c'est complètement homophobe. Là, et là, nous sommes vraiment là dans la pure homophobie, pure et simple. Le papa, quand on dit. C'est ce que je te dis, les questions, ils ont fait les réponses aux questions. Avant qu'elle soit diffusée, mais tu vois, j'aimerais bien, moi, personnellement, et demain, qu'il y ait des questions comme ça, et qu'en fin de compte, au dernier moment, ça ne soit pas les mêmes questions. Mais de toute façon, il faudra qu'on voie demain, il faudra qu'on fasse attention aux infos télévisées, on verra ça en direct demain après-midi sur BFM TV. On va voir ce que ça va donner, il y a des choses peut-être intéressantes à savoir. Bon, j'avoue que la question était bizarre, mais maintenant je comprends mieux d'où sort cette question. Pour eux, ils sont, ils se disent un homme qui est déguisé, qui porte une robe, c'est grave. Alors dans ce cas, qu'est-ce qu'il faut qu'on dise dans ce cas sur les femmes qui portent des jeans ? Des femmes portent des jeans, où est le problème ? Non, mais voilà, c'est... Non, mais c'est un exemple. Pour eux, il ne faut pas qu'un homme porte une robe. Est-ce que nous, on fait tout un scandale parce que des femmes portent des jeans ? Bah non. Est-ce que pourtant les femmes qui portent des jeans sont homosexuelles ? Ah non. Pas forcément. Nous sommes d'accord. Et je tiens à préciser que les trans, et que ce soit les travestis, ne sont pas forcément homosexuels non plus.
Il faut quand même bien le souligner. Eux, ils visent homosexualité, alors que travesti ne veut pas dire homosexuel. Non. Attention, transidentitaire, transidentité et transsexuel ne veut pas dire homosexuel non plus. Et c'est ça qu'ils ne comprennent pas encore. Le terme, à mon avis, ils ont complètement oublié les définitions des mots. Donc ils attaquent vraiment ces personnes-là, alors qu'ils ne sont pas forcément homosexuels. Mmh. Je me demande s'ils ont conscience de ce qu'ils disent. Non. Je crois qu'à mon avis, ils n'ont pas conscience du tout du problème qu'ils sont en train de poser. Par exemple, un homme qui porte une boucle d'oreille, est-ce que c'est pour autant un homo? Non. Est-ce que quelqu'un qui porte un homme qui porte deux boucles d'oreilles, est-ce que c'est un homo? Pas forcément. Pas forcément, non. Parce que moi, je connais quelqu'un qui porte deux boucles d'oreilles et c'est des gros anneaux. C'est des anneaux où tu vois carrément la. T'as l'impression qu'il s'est fait trouer l'oreille de chaque côté. Mmh. Et pourtant, c'est un hétéro. Hein. Est-ce que un homme qui s'épile, qui prend soin de lui, est-ce que c'est un homo? Pas du tout. Non. Voilà. Donc pour eux, il faut que ce soit un homme viril, alors que c'est pas ça. L'homme, un homme, c'est quelqu'un, c'est un homme quoi, qui fait ce qu'il veut de son corps. Il y a du monde sur le chat ou pas ? Non, le chat pour l'instant est un petit peu vide en ce moment. On va dire qu'aujourd'hui ils sont pas là. Ce week-end est un petit peu pris. C'est pas grave, les podcasts existent. Mmh. On passe à la question suivante. Sixième question. Quel problème vous pose le catalogue des jouets Super U? Là aussi, on se pose des questions. Pourquoi cette question? Super U? Le Super U. C'est une question. La réponse de la manif pour tous, je ne sais pas d'où sort cette question, mais c'est une question. Mais il doit y avoir une idée derrière. Ouais. Vu les idées farfelues qu'ont la manif pour tous, hein, je m'inquiète. Donc voilà ce que répond la manif pour tous. Le problème de ce catalogue est qu'il est ouvertement fondé sur le gender, donc la théorie du genre, qui considère que nos différences sont artificiellement construites par la société. De toute façon, les parents sont capables de savoir quel jeu plaira à leur enfant. Bah oui, justement, un catalogue c'est pour ça. Après, ils sont. Mais ça a rien à voir. En fait, ils attaquent le catalogue par rapport au fait qu'ils mettent en avant la théorie du genre. Ah bon? Et qu'est-ce que ça peut leur en clair question, qu'est-ce que ça peut leur faire? Oui, c'est qu'est-ce que ça peut leur faire En gros, au niveau communication, qu'on n'a pas à transparaître ça, à mettre ça dans nos outils de communication dans les catalogues. Mais c'est ça en fait. Quoi. N'importe quoi. Ça va, il faut pas. Je vois pas du tout ce que ça vient. On regarde pas un catalogue pour la théorie du genre. On regarde un catalogue pour ce qu'il y a par rapport aux produits qui sont proposés et par rapport au prix. On s'en fout du reste. C'est leur façon à eux. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Alors, septième question. Pourtant, déconstruire les stéréotypes sexués, c'est bien. C'est urgent de casser les stéréotypes. On est au 21e siècle. Ça, c'est la question. Réponse de la manif pour tous, ils disent que déconstruire les stéréotypes pour éviter à un enfant d'être conditionné pour devenir homme ou femme, c'est comme si vous supprimiez l'alimentation d'un enfant de peur de l'empoisonner. Alors j'avoue que la question est déjà farfelue, mais alors la réponse elle est encore plus. Elle est carrément tordue. On se pose la question d'où ça sort. Bon bref. Bon, je vais voir la. Passons à la question suivante. Vous ne pensez pas que c'est important que les femmes soient payées comme des hommes? Une réponse, si, tout à fait. Donc là, on est sur les salaires. Mmh. Là, c'est ce qu'on a parlé tout à l'heure. Je suis d'accord sur le principe. Pour une fois, je suis d'accord avec la réponse. L'égalité homme-femme aura lieu avec le salaire. Voilà. Oui, là, au moins, une question logique. Voilà. D'accord. Mmh. Une question logique. Pour l'instant, c'est pour moi la seule question logique et dont la réponse est bien. Voilà, rapport à la manif pour tous. C'est même pour l'instant la seule que je soutiens. Alors après, c'est quoi le gender pour vous? Voilà ce que répond la manif pour tous. Donc c'est la négation du corps au profit de la seule satisfaction de ses désirs. C'est donc la négation de l'homme. C'est entrer dans un monde virtuel, artificiel, grand bal masqué qui mène au désespoir. Voilà. Donc ça c'est pas homophobe. C'est quoi? C'est clair. Alors ça c'est quoi? Alors si ça c'est pas homophobe, c'est là c'est clair, net et précis. Hein. Voilà. Il me reste 5 questions. Qu'est-ce qui vous gêne dans le gender? Donc toujours dans la théorie du genre. Réponse d'un manif pour tous, c'est un mensonge qui veut faire croire aux hommes que leur corps n'a aucune importance dans leur identité. Non, l'homme n'est pas un pur esprit. Alors là, ça attaque un petit peu les transidentitaires. Ça c'est clair, n'était précis. Mmh. Mais
Donc ils disent c'est un mensonge qui veut faire croire aux hommes que leur corps n'a aucune importance dans leur identité. Qu'est-ce qu'il faut dire là-dedans ? Rien. Moi, je soutiens les trans en disant que de toute façon, s'ils se sentent pas bien dans le corps d'une femme, c'est énorme. Et vaut mieux je sais pas comment expliquer, mais il faut se mettre dans l'esprit d'un trans pour répondre à leur place. Mais je préfère mieux. Bah. S'ils se sentent pas bien dans la peau d'une, par exemple, une femme qui ne se sent pas bien dans la peau d'une femme et qui souhaite être un homme, est-ce que elle va vivre toute sa vie en tant que femme ? Elle est ce qu'elle est. Oui, certes. Mais si elle sait se sentira mieux dans la peau d'un homme, c'est son problème. Vaut mieux ça plutôt qu'elle en arrive au suicide. Ah bah automatiquement. C'est une question. Vaut mieux qu'elle vive pleinement dans le corps qu'elle veut plutôt qu'elle se sente plutôt qu'elle fasse une dépression nerveuse tout ce qu'on veut et qu'elle en arrive au suicide parce qu'elle se sent pas bien dans sa peau. Je sais pas si on peut comprendre ça. Je sais pas si les trans me confirment ce que je dis. Mais si elle se sent épanouie il ou elle bien sûr parce qu'il faut pas il y a pas que femme il y a homme enfin, c'est les deux ça va dans les deux sens homme vers femme et femme vers homme que si elle se épanouit et bien dans leur corps comme ça, où est le mal là-dedans ? Si après ils vivent bien et que moi j'en ai connu des trans, bon, qui ont des caractères forts, ça c'est sûr. Je connais les trans surtout par leur caractère et par leur force de caractère, mais que ça, en tant qu'humain, ils vivent ils sont ce qu'ils sont. Et puis je répète à nouveau que les trans ne sont pas forcément homosexuels. Il faut bien le répéter à nouveau, parce que chaque fois, ça revient toujours à la même chose, mais qu'on ne mélange pas trans et homo. Voilà, c'est tout ce que je demande, et que je le dis une fois pour toutes. Je le redirai pendant la partie LGBT quand on va parler de la transidentité. D'ailleurs, c'est fait exprès que je parle de ça aujourd'hui, vu le sujet du jour. Autre question, sur quoi vous basez-vous pour dire que le corps a une influence sur nos rôles dans la société ? Réponse de la Manif pour tous, ils répondent par une question. Ils disent sur quoi les politiques se basent-ils pour dire que le corps n'a aucune influence sur nos rôles dans la société ? En gros, c'est répondre à la question avec répondre avec la même question en quelque sorte. Bah, tu vois, c'est non, mais c'est comme mais en c'est comme l'histoire tu vois, c'est comme tu posais une question à un juif, il te répond toujours par une question. Oui. C'est parce que comme ça lui laisse le temps de réfléchir à la question qu'on lui a posée. Oui, mais là, c'est parce qu'ils n'ont pas su trouver la réponse à la question qu'on leur a posée. Oui, mais leur réponse, voilà, ça a été visé aussi, moi j'ai compris. C'est-à-dire, sur quoi vous basez-vous ? Donc ça a été visé sur la Manif pour tous, et en fait, la Manif pour tous a repris cette question en visant les politiques. Oui, ben oui. C'est parce qu'ils n'avaient pas la réponse à Mais sur quoi les politiques s'y est là ? Mais moi je suis désolé, et là je m'adresse aux Manif pour tous. Avant de juger les apparences, avant de juger les personnes, avant de tout ça, essayez au moins de donner leur une chance de s'exprimer, de le dire devant vous. Pourquoi ? Et après, vous allez voir que c'est des gens normaux qui vivent pleinement leur sexualité et leur apparence et leur sexe, bien sûr. Mmh. Vous allez voir que c'est pas que ce sont des gens comme tout le monde. Voilà. De toute façon, ça reste une personne. C'est-à-dire que un homme qui se transforme en femme ou une femme qui se transforme en homme, ça reste la même personne. C'est juste une sexualité différente, hein, c'est tout. Mais ça reste la même personne. C'est tout. Bon, bah, et c'est pas pour ça que c'est une déviance morale, mentale, tout ce que vous voulez, parce qu'il change de corps. C'est juste histoire de se sentir mieux dans sa peau. Point final. Et ça, là-dessus, je vois pas ce qu'il y a de mal. Alors, question suivante, c'est « Vous voulez revenir à l'état de nature ?» Ça, c'est une question bizarre. La réponse de la Manif pour tous qui dit « Nous voulons respecter toute personne humaine, corps et esprit. » Alors là, c'est complètement contradictoire avec tout ce qu'on voit. C'est-à-dire que eux, ils disent « Nous voulons respecter toute personne humaine, corps et esprit. » Alors non, je suis pas d'accord. Ah, c'est pas bon. Là, je ne comprends pas. C'est complètement contradictoire avec les propos qu'ils viennent de dire avant. S'ils respectent toute personne humaine, alors qu'ils respectent les choix les orientations de chacun. C'est complètement contradictoire leur réponse. C'est impressionnant. Mais comme d'habitude, ils sont en train de se planter, mais méchants, et ils sont en train de faire du jugement de personnes. Ils sont en train de juger des personnes qui demandent rien à personne. C'est tout simplement le problème. Il est là. Voilà, c'est juste une histoire de façon à se mettre en avant en disant voilà, on est là et puis on dit qu'on n'accepte pas, alors que de toute façon ils n'auront pas le choix d'accepter quoi qu'il arrive. Alors, ouais. Question suivante, vous n'avez pas l'impression que vous défendez surtout le passé ? Voilà la réponse
de la Manif pour tous qui dit « Bien au contraire, nous défendons l'avenir. Le gender, c'est le désir personnel sans limite. Je suis ce que je veux. Le gender ne considère pas l'avenir et les générations futures. Ben, » C'est-à-dire que si. Pour une société, c'est s'autodétruire. Petit à petit, nous construisons l'avenir en proposant un chemin exigeant d'apprentissage de nos différences. Apprentissage qui nous tourne vers les autres, nous responsabilise à l'inverse du gender qui se concentre le désir de chacun au détriment de l'intérêt pour tous, de tous. Alors, est-ce que tu vois, moi je sais pourquoi ils ont dit ça. Est-ce que tu sais pourquoi, parce que c'est leur façon de penser, ils disent que le gender c'est pas l'avenir. Moi je sais pourquoi ils ont dit ça. L'avenir, on est d'accord, c'est les enfants. Donc les enfants se construisent entre un homme et une femme. Tu suis jusque là. Donc pour eux, c'est ça l'avenir. En gros, c'est les enfants. Oui, c'est, donc oui, pour eux, oui. les enfants se construit entre un homme et une femme. C'est pour ça qu'ils disent ça. Or, oui, c'est parce qu'ils sont en train de dire qu'en fin de compte, que les enfants. Non mais attends, c'est que les enfants sont l'avenir, mais que si c'était. Si ils étaient élevés par des homosexuels ou par des personnes autres, ben, au moins ils ça ne serait pas, ils seraient pas normal. Alors, question, ça permet de poser une question, tu vois, quelque chose qu'on a parlé, on en parlera peut-être dans le projet de loi famille. Un enfant qui serait élevé par des homosexuels, est-ce que l'enfant sera déstabilisé et qu'il n'aura pas d'avenir ? Ben non. Bien sûr que non. Est-ce qu'il vaut mieux avoir qu'un enfant soit élevé par des homos plutôt que la DAS ? Elle vaut mieux, oui. Oui, vaut mieux. Oui. Est-ce que quelqu'un qui est un enfant qui est mineur, qui est rejeté par ses parents, est-ce qu'il vaut mieux pas qu'il soit élevé dans l'amour, que ce soit homosexuel, hétérosexuel, bisexuel, transsexuel, tout ce que vous voulez, ou plutôt que quelqu'un qui est plutôt qu'un enfant qui soit dans la rue, qui par dépression se suicide. Ah non, bah non, automatiquement. Donc voilà. Donc le problème, l'avenir, c'est les. D'accord, je suis d'accord. L'avenir, c'est les enfants. Oui. Jusque-là, je suis. Mais pour que les enfants vivent, il faut aussi que les enfants soient en sécurité morale, mentale. Quand on voit des enfants se suicider... Faut déjà qu'ils arrêtent de faire pression sur des trucs comme ça, parce que c'est justement en foutant des trucs négatifs par rapport à tout ça, par rapport au problème, que les gamins, ils vont plus savoir où... Les enfants, c'est les avenirs, c'est l'avenir. Ça, c'est ouais, pour mais points. Pourquoi l'avenir est compromis si on leur met des des restrictions, c'est ça que tu veux dire? Pas des restrictions, on leur bourre le crâne avec des bêtises qui n'ont rien à voir. Alors qu'est-ce que tu appelles des bêtises? Qui, quoi, dans où? Bah, par rapport à la PMA, par rapport à la GPA, par rapport à Attends, excuse-moi. On est en train de leur bourrer le crâne. Non, mais attends, t'es en train de dire. Les homosexuels qui sont pas aux normes, comme quoi. Je préfère mieux ça, parce que la façon que tu l'as dit, parce que là, je suppose que si tout le monde a bien entendu ça, ils se posent des questions quand tu dis ça. Que tu dis qu'il faut bourrer il faut pas bourrer le crâne aux enfants, sur la PMA, tout ça. Tu te rends compte, tu es en train de dire voilà. Non, mais le problème, c'est que les gamins vont être complètement déstabilisés. Comment veux-tu, après, que la nouvelle génération n'ait pas une haine envers les homosexuels? Les enfants, Or, c'est basé. Le contraire et c'est voilà. Basé. De toute façon, les enfants sont basés par l'éducation des parents et l'éducation de l'école. D'accord. Donc, et dans l'éducation de l'école, ils veulent apprendre aux enfants que ce soit homosexuel ou hétérosexuel, s'il n'y a rien, aucune différence. Pour moi, il n'y a rien de grave à ça. Ensuite, que la PMA, non. La PMA, faut pas la prendre, je pense, à l'école, c'est trop tôt. Faut peut-être la prendre au pire au lycée. Dans les lycées, oui, mais pas dans les collèges. Au collège, oui, mais alors dans les collèges, je suis pas d'accord, mais dans les lycées, oui, parce qu'il faut quand même avoir que les mineurs soient et un certain âge pour comprendre ce genre de choses. Pas à 10 ans, quoi. On n'apprend pas à un gamin de 10 ans ça. Pas à 18 je dirais dans les lycées, les oui. Les gamins, ils commencent à le comprendre. Hein. Mais plutôt, je dirais que la PMA, il faut quand même aller jusqu'au lycée pour ça. Mais ça me dérange pas que les mineurs apprennent la PMA et la GPA, mais dans les lycées, pas dans les collèges. Dans les collèges, c'est encore trop tôt, je veux dire. L'homosexualité, oui. Dans les collèges, oui. L'homosexualité, oui, mais pas dans les primaires, parce que je me souviens l'année dernière, ils ont voulu mettre l'homosexualité et tout ça dans les primaires. Moi, j'ai dit non. Là, c'est vraiment trop tôt, trop tôt. Dans les collèges, oui. Dans les lycées, oui, mais pas dans les primaires. Là, pour la PMA, la théorie du genre, là, ça doit aller dans les lycées. Mais pas dans les collèges. Dans les collèges, je trouve ça un petit peu trop tôt, alors que c'est la découverte de la sexualité des mineurs dans cette période. Faut faire attention. Après, ouais, il faut qu'ils arrivent à faire une synthèse de. Mais je suis pas contre. Par contre, je suis pas contre qu'ils en parlent à l'école. Mais
chaque cycle, dans chaque cycle différent, faut faire très attention quand on le dit. Faut être moi dans les 6 et 15 ans, donc à mon avis, je pense qu'à mon avis, c'est un peu trop présent en ce moment pour que ça en parle pas au niveau des collèges. Hein. Mais collège, ça fait un peu tôt pour la PMA. L'homosexualité, oui, c'est normal. Mmh. Mais pas la PMA. Je parle de la PMA. Je parle pas de la transidentité, de ouais. La transidentité, l'homosexualité, la bisexualité. Ça, on peut en parler au collège. Ça me choque pas. Par contre, pas la PMA. La PMA, au niveau technique, tout ça, ça risque, ça peut ouais, être. Non, mais bon, après, voilà, si c'est les gamins qui décident d'en parler. Mais la PMA, c'est la procréation médicalement assistée. C'est autre chose. C'est encore une autre chose qu'on va en parler en technique après, en détail, ce que c'est que la PMA. Ouais, mais bon, voilà. Les profs ne sont pas forcés de répondre. Ils disent que pour l'instant, c'est pas prévu au programme. Ils peuvent dire ça, mais automatiquement, maintenant, ça va être fait de façon à ce que. Alors, je finis les questions. Il reste 3. Donc c'est la 9e, non c'est la 10e, pardon, 10e question. Il y a plein de pays qui mettent en œuvre le genre. Pourquoi résistez-vous? Réponse de la manif pour tous, ce n'est pas la majorité qui fait la vérité. Donc en gros, la majorité, en gros, a tort. Donc c'est les minorités qui ont raison. Donc on fait partie des gens qui sont minoritaires, donc on a raison. Donc il dit ce n'est pas la majorité qui fait la vérité. Ben alors nous on en fait partie. On n'est pas majoritaire et donc on fait la vérité. Et chaque chose. Ben dans ce cas on va reprendre. Le problème c'est qu'ils se contredisent un peu trop souvent. Non mais ils se croient pas majoritaires alors que nous faisons partie des minorités au niveau social. Au niveau humain, tout ce que vous voulez, et c'est pas pour ça qu'on dit pas les vérités et qu'on dit pas les bonnes idées. C'est ça qu'il faut bien se dire. Donc là, en gros, on pique leur réponse, mais en plus dans le sens positif, tandis que eux c'est dans le sens négatif. Voilà la différence entre nous LGBT et eux la manif pour tous. 11e question. Alors qu'est-ce que vous proposez? Ça c'est la question posée à la manif pour tous. Ils répondent de faire la lumière sur le mensonge du gender, c'est-à-dire. Premier point, le respect des parents, ils sont capables d'éduquer leurs enfants. Oui, quand même. Oui, non, mais oui. Oui, sauf bien sûr quand les parents rejettent leurs enfants. Ça, il faut bien penser à ça. On doit faire confiance aux parents, mais qu'est-ce qu'on doit dire à côté quand les parents rejettent leurs enfants? Ça, c'est une autre question. Ça, ils n'y ont pas pensé à ça. Deuxième point, c'est des réponses de la manif pour tous. Hein. Respect des enseignants dans leur mission d'instruction. Oui. Ouais. Après, ça dépend de ce qu'ils pensent. Ouais, voilà. Donc, après, ça dépend des méthodes que c'est employé pour justement en parler au niveau de. Alors, respect des enseignants. Si un enseignant dit devant des enfants l'homosexualité est une maladie, on va pas dire mais on va pas soutenir l'enseignant dans son éducation. Ah non, c'est sûr. Faut faire attention. Surtout qui peut dire ça à des enfants qui ont quoi à peine 12-15 ans et qui commencent petit à petit à découvrir leur sexualité et notamment sur le côté homo. Si on dit oui, l'homosexualité est une déviance, il y a de quoi démonter moralement un enfant quoi. Ah mais carrément de les détruire moralement. Et ça il faut qu'on faut respecter les enseignants. Oui, mais à condition qu'ils fassent très attention à ce qu'ils disent aux enfants. Voilà, à condition que eux-mêmes respectent voilà. Troisième point pour la manif pour tous, ils disent le renforcement du lien de confiance entre parents et enseignants dans leurs missions respectives. Bon ouais. Là-dessus, ça ne me choque pas. Et enfin, quatrième point, eux, ils veulent carrément le retrait du gender, l'égalité garçon-fille, lutte contre les stéréotypes et lutte contre l'homophobie. Alors, tiens, voyez, donc ils sont pas homophobes. Je tiens, ça faisait partie des 3 premières questions. Mmh. Et là, ils réclament la lutte contre de retirer la lutte contre l'homophobie à l'école. Ah, et à part ça, ils ne sont pas homophobes. Ouais. Ah, voyez, nous avons les réponses devant nous. J'ai les réponses devant moi. C'est quand même impressionnant. Ils se contredisent, mais méchants quoi. C'est pour ça que ça va se retourner complètement contre eux. C'est pour ça que j'aimerais bien. Et moi, comme je disais tout à l'heure. C'est que s'il y a des journalistes qui écoutent cette émission-là, l'émission, ça serait bien qu'ils posent des questions qui les déstabilisent encore 2 fois plus pour qu'ils donnent des réponses qui sont, en fin de compte, que les journalistes posent des questions auxquelles ils s'y attendent pas, tu vois, ou qu'ils trouvent aucune réponse.
Et je vais en rajouter. Il est trop facile. Et je vais questions. Et je vais le prouver avec la dernière question que la manif pour tous est une fois pour toutes homophobe. Écoutez bien la dernière question. Les parents disent qu'ils sont contre le gender parce qu'ils ne veulent pas que l'on raconte des histoires d'homosexuels à leurs enfants. Alors écoutez bien ce que disent la manif pour tous en réponse. Tant que l'on aura des associations militantes telles que LGBT ou SOS homophobie dans les écoles, on aura ce genre de réaction. Ils ont attaqué les assos LGBT. Et à part ça, je peux ils sont pas homophobes. Et à part ça, ils sont pas homophobes. En gros, ils se foutent vraiment de la gueule du monde. Là, je peux te dire que là, ils ont attaqué des associations, des assos LGBT. Surtout, pour eux, ils continuent à dire que ces associations militantes n'ont pas leur place dans les écoles. Mmh. Et ils y disent que l'école doit être préservée. Et justement, c'est avec leur bêtise à la noix là, que l'école est en faillite. Que l'école, elle est en train de partir en déviance, qu'il y a beaucoup de... Alors, pour eux, il ne faut pas des associations militantes. Alors, d'après toi, pour qui le rôle pour la manif pour tous, qui ça doit être, à qui ça doit être adressé? Alors, pour eux, il faudrait des médecins, des psychologues qui écouteront chaque jeune dont l'histoire est particulière. Alors, oui et non, parce que, oui, je suis d'accord, mais les associations peuvent aller sur place dans les écoles en présence d'un médecin et d'un psychologue. Ah bah normalement c'est prévu hein. Mais bien sûr. C'est prévu qu'ils fassent une intervention dans les lycées avec un médecin et un psy. Donc je suis d'accord pour le médecin et le psychologue. Là oui, je suis d'accord. Par contre, la présence d'un médecin et d'un psychologue. Oui. Mais les associations militantes telles que SOS homophobie sont libres d'aller dans les écoles à condition que que ça soit dans un but très constructif et dans un but positif. Mais en présence d'un médecin et d'un psychologue. Je suis d'accord. La plupart des interventions de homophobie qui se sont faites l'année dernière. Ah non, c'était il y a 2 ans. Dans les collèges, non. Il y a 2 ans, c'était en 2012. Ils en ont fait il y a 2012. SOS homophobie, la lutte contre l'homophobie à l'école, ça date de 2012 pour SOS homophobie. Je m'en souviens très bien de ça. Ils en ont fait encore l'année dernière. Non, je pense pas. J'en ai pas entendu parler. Je sais qu'il y a eu des trucs à l'école l'année dernière, mais c'était pas SOS homophobie. Oui, non, mais bon, une association, voilà. C'est justement pour savoir ce que les jeunes au niveau des collèges et des lycées pensaient par rapport à l'homosexualité en général. Oui. Mais en général. Et c'est des questions-réponses qu'ils ont fait. Et je vois pas d'où est déstabilisant pour un jeune d'avoir des questions-réponses par rapport à ça. En tout cas, qu'est-ce que tu en penses, toi, de ces 12 questions. Alors, ils disent qu'ils sont pas homophobes, mais on a tous les éléments qui prouvent qu'ils sont homophobes. Ah bah, automatiquement. Et si on fait une circulaire par rapport aux réponses qu'ils donnent, si on prend les 4 dernières réponses qu'ils donnent, là, par contre, c'est leur politique qui se met à nu. Automatiquement, ils sont en train de se mettre en danger. Et Ils ont attaqué les politiques et ils ont attaqué bien sûr les assos LGBT. Donc forcément les assos LGBT, message pour vous, il faut pas laisser passer ça. Donc c'est sûr, demain. Si vous avez vu les questions, automatiquement les réponses. Un petit message aux assos LGBT. Surtout ne tombez pas dans le même piège que l'année dernière. Ne faites pas une attaque dans la manif pour tous et faites pas la même erreur dans la manif pour tous en faisant une contre-attaque. Faites des manifs, on va dire, constructives. C'est ça que je veux dire. Pas des manifs contre-attaque. Ne faites pas cette même erreur que l'année dernière par rapport au mariage pour tous. Je pense qu'à mon avis, c'est déjà programmé. Mais ça n'empêche pas que demain, il va falloir être très vigilant sur le manif pour tous, sur la manifestation, sur ce qu'ils vont faire. Parce que là, on a la preuve que bien les assos LGBT, même les LGBT en général, sont visés par la manif pour tous. Ils disent qu'ils sont pas homophobes, qu'ils sont pour l'égalité homme-femme au niveau des sexualités. Donc il y a un truc hyper contradictoire. C'est d'ailleurs la manif là. Donc on va passer à la suite du sujet du jour sur la procréation médicalement assistée. Cette fois, je vais vous parler de ce que c'est la procréation médicalement assistée en technique, en définition aussi. Donc, la procréation médicalement assistée, PMA, également appelée assistance médicale à la procréation, AMP, et aussi procréation assistée médicalement, le PAM. Donc, c'est dans différents pays, en fait, il y a c'est différent. Ouais, donc, c'est un ensemble de pratiques cliniques et biologiques où la médecine
intervient plus ou moins directement dans la procréation afin de permettre à des couples infertiles d'avoir un enfant. Bien que la confusion soit courante, la PMA ne se réduit pas à la fécondation in vitro, qui n'en est qu'une des méthodes. Donc le clonage humain n'est juridiquement pas considéré comme faisant partie des techniques de PMA. Ça, il faut quand même bien le souligner. Donc, par rapport à ça, en 2002, le nombre de bébés nés par procréation médicalement assistée serait compris entre 219 000 et 246 000 avec une augmentation dans le temps. Le taux de succès selon la procédure est compris entre 15% et 22%. Donc c'est 15% pour le transfert d'embryons congelés et 22% pour la fécondation in vitro. Donc en Europe, les résultats de 30 pays du continent européen sont rapportés chaque année dans le registre européen du FIV, fécondation in vitro. Pour l'année 2005, 923 centres y rapportent 418 111 cycles de fécondation in vitro, ainsi que 128 908 cycles d'insémination par le sperme, avec le sperme du conjoint et 20 568 avec le sperme d'un donneur. Chaque pays participant y est décrit selon la plus ou moins grande exhaustivité des données sur l'activité et les résultats des PMA, mais aussi avec des données de type dermographique, le nombre d'embryons transférés et l'âge des femmes au moment de la procréation médicalement assistée. Concernant la France, en France, chaque année, près de 50 000 enfants naissent grâce aux techniques de procréation médicalement assistée. Eh bien, oui. Eh oui. Je le répète, 50 000 enfants en France, je vais y arriver, naissent grâce aux techniques de procréation médicalement assistée. Donc, à un taux de malformation congénitale de plus de 4%, contre 2 à 3% dans la population générale. Les enfants conçus à l'aide de procédures PMA en 2007, qui en comptent 20 657, représentent environ 2,5% des enfants nés cette année-là. Et en 2007, on compte 122 056 tentatives de procédures PMA, dont les inséminations, les fécondations in vitro et le transfert d'embryons congelés. Dans 6% des cas, elles font appel à des spermatozoïdes, à des ovocytes ou des embryons issus d'un don. Donc ça, c'est les chiffres en France. Et oui, parce que ça, c'est une surprise, peut-être que pas beaucoup le savaient. Et bien, je tiens à le dire. Alors, comment ça marche, la technique? Alors, je vais vous donner les techniques de la PMA. Donc, c'est là qu'on doit se baser sur le pour ou contre par rapport à tout ce qu'on entend parler avec la manif pour tous. Alors, voilà, avant de recourir quand même aux techniques de PMA, proprement dites, différents procédés peuvent permettre aux couples d'optimiser leur fécondité. Premièrement, détection de la période fécondante. Donc, il y a une surveillance hormonale, le plus souvent par test urinaire, qui permet de détecter l'imminence de l'ovulation et permet au couple d'avoir des rapports au moment de la fécondité maximale. Deuxième point, c'est les techniques d'ovulation provoquée. Donc le gynécologue peut proposer un traitement de stimulation hormonale léger et le déclenchement forcé par une injection ponctuelle d'hormones, par exemple le HCG. Le traitement permet d'obtenir une ovulation de meilleure qualité en nombre d'ovocytes limité à 1 ou 2 et de placer les rapports au moment de fécondité maximale, la date d'ovulation étant connue. Alors les techniques de PMA proprement dites, je vais vous les donner un par un. La première technique, c'est la technique d'insémination artificielle. Il y en a plusieurs. Alors, cela consiste à injecter artificiellement le sperme, plus ou moins préparé au moment de l'ovulation, sauf dans le cas de l'insémination avec sperme frais effectué à la maison, utilisant les tests urinaires pour détecter la période d'ovulation. Elle a été montrée que le couplage de l'insémination artificielle avec l'ovulation provoquée améliore significativement les chances de grossesse. Toujours dans l'insémination artificielle, il y a aussi avec sperme frais. C'est la deuxième technique. Donc la deuxième technique, c'est avec sperme frais. Donc cette méthode est essentiellement pratiquée à la maison par les femmes désirant être enceintes sans avoir de rapport sexuel avec le géniteur masculin et de leur futur bébé. Le motif peut être classiquement un don de sperme informel pour un couple hétérosexuel dont l'homme souffre d'infertilité, ou un désir d'enfant chez un couple lesbien, ou un désir d'enfant pour une femme célibataire ne désirant pas avoir de rapport sexuel, ou enfin un désir d'enfant pour une femme porteuse du virus HIV lorsque sa maladie est bien contrôlée. Troisième technique de PMA, c'est avec sperme préparé. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Donc, cette méthode est fréquemment utilisée pour la PMA des couples dont l'infertilité n'est pas monocausale, c'est-à-dire ce n'est pas le cas en général d'ailleurs. Chaque fois que cela est possible, elle est préférée dans ces cas d'infertilité inexpliquée en première intention à une fécondation in vitro d'emblée pour son caractère moins contraignant pour la femme.
Quatrième technique, c'est avec sperme congelé qui est très connue. C'est la méthode d'ailleurs la plus utilisée pour le don de sperme. Plus rarement, la congélation de sperme est utilisée pour la préservation du sperme d'un homme ayant à subir un traitement mettant en jeu sa fécondité. Donc ça, c'était les techniques d'insémination artificielle. Mmh. D'accord ? Maintenant, autre possibilité, c'est les techniques de fécondation in vitro. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans tout ça? Il y a la fécondation in vitro classique. Donc, il y a après une stimulation ovarienne et une surveillance du développement des follicules dans les ovaires, échographie prise de sang. Les ovocytes sont prélevés dans les follicules quelques heures avant leur libération naturelle, le plus souvent par ponction, tiens, ça me rappelle quelque chose, par voie vaginale sous échographie ou plus rarement par colioscopie. Dans le cas difficile, les ovocytes ainsi recueillis sont mis en présence de spermatozoïdes préparés. Les ovocytes fécondés sont cultivés aussi, le plus souvent 2 jours, quelquefois plus jusqu'à 6 jours, afin d'évaluer leur morphologie. 1 à 2 sont implantés dans l'utérus, donc on parle de transfert, et les autres peuvent être congelés s'ils ont une chance significative de survie. Le nombre d'embryons implantés est limité à 2, moins souvent à 3, donc c'est rare pour 3, donc c'est plus à 2. Pour réduire les risques médicaux ou obstétriques, des rééducations embryonnaires peuvent être proposées en cas de grossesse triple ou plus si le couple le souhaite. La réduction embryonnaire est beaucoup moins utilisée aujourd'hui dans les années 80. Le nombre d'embryons implantés aujourd'hui dépasse rarement 3. Autre technique de fécondation in vitro, c'est l'injection intracytoplasmique de spermatozoïdes. C'est pas facile à dire tout ça. Donc les processus sont les mêmes que pour la fécondation in vitro, sauf que la mise en présence de l'ovule et des spermatozoïdes est remplacée par l'injection indirecte d'un seul spermatozoïde sélectionné dans chaque ovule. Autre point de la fécondation in vitro, c'est la micro-injection intracytoplasmique de spermatozoïdes sélectionnés à fort grossissement. Donc les processus sont les mêmes que pour la fécondation in vitro, sauf que la mise en présence de l'ovule et des spermatozoïdes est remplacée par l'injection directe d'un seul spermatozoïde présélectionné sous microscope à fort grossissement dans chaque ovule. Autre, il y en a plein, il y a différentes techniques. Alors, il y a aussi le transfert d'embryons congelés. Alors, des embryons surnuméraires précédemment congelés obtenus par la méthode de la fécondation in vitro ou d'injection d'intracytoplasmique de spermatozoïdes sont décongelés et transférés dans l'utérus. On peut aussi congeler des embryons obtenus par la fécondation in vitro chez un couple dont la femme aura à subir un traitement potentiellement stérilisant. Après, on parle aussi de congélation d'ovaires. Alors, en préalable à un traitement potentiellement stérilisant pour une femme ou une enfant, des échantillons d'ovaires sont prélevés en vue de préserver la fertilité ultérieure. Il existe 2 techniques permettant de restaurer la fonction de reproduction, c'est-à-dire la maturation in vitro des follicules et des ovules, qui est actuellement à l'état de recherche. Et il y a aussi l'autogreffe, dont une dizaine de naissances ont été rapportées dans le monde, grâce à l'autogreffe. Donc il y a aussi une troisième grande technique de procréation médicalement assistée, c'est la technique de vitrification. C'est la congélation ultra rapide des ovocytes est autorisée c'est la vitrification des ovocytes, vitrification, ça veut dire congélation ultra rapide. Ça va, on suit. Donc, on parle de vitrification des ovocytes qui est autorisée depuis l'adoption définitive de la loi de la bioéthique du 23 juin 2011. Alors, sous forme de don, donc le don d'ovules, qui est interdit par exemple en Italie, Norvège, Allemagne, Autriche et en Suisse. Ouais. Il y a les dons de sperme, qui est illégal en Italie par exemple aussi. Il y a le don d'embryons par les couples dont les deux conjoints sont infertiles ou risquent de transmettre une maladie, donc c'est illégal au Portugal, Suède, Israël, Slovénie et Italie par exemple. Et enfin les mères porteuses, et là c'est illégal par exemple en France. Je tiens à le préciser, c'est illégal en France, alors que les mères porteuses, il n'y a rien de grave à ça. Ça me fait penser à une série qu'on voit en ce moment, qu'on ne va pas citer, et quelqu'un qui avait un cancer des ovaires, elle a congelé ses ovaires. Elle a congelé ses ovaires, si je ne me suis pas trompé. Elle a congelé ses ovaires et grâce à une mère porteuse, elle a eu 2 enfants parce qu'elle avait le cancer des ovaires.
Donc je vois pas, ça peut être sympa. Quelqu'un qui serait victime d'un cancer là-dedans, en France, ça, je vois pas ce qu'il y a de grave d'avoir des mères porteuses pour sauver. Ça se fait. Oui, mais ça bon. Ça se fait. Oui, mais bon, c'est dommage, quoi. On le dit pas, mais en France, ça se fait, les mères porteuses. Peut-être. Alors illégalement, alors, dans ce cas. Illégalement, ça se fait. Mais ce que je veux dire, c'est que ça, il faut penser que voilà, qu'il y a des femmes qui étaient femmes. Là, je parle pas d'homosexuels cette fois. Je parle des femmes qui pourraient être victimes d'un cancer. Mmh. Et là, je parle bien des cancers des ovaires. Ça existe. Qui ne pourront plus jamais avoir d'enfants. Ouais, et supposons que cette femme souhaite avoir des enfants, il suffit et qu'elle peut congeler des ovaires, et ben il suffit après de faire appel à une mère porteuse pour qu'elle puisse après plus tard avoir des enfants. Je vois vraiment pas ce qu'il y a de honte grave à ça. Et puis là, on a une série télé qu'on sur TF1, on va pas la citer pour éviter la honte, et qui parle de ce sujet-là en ce moment. Et très bien réussi, et justement, c'est un beau message sur mais ce sujet-là. C'est vrai que par rapport à ce truc-là, par rapport à cette série, ils se sont vachement améliorés. Voilà. Mais en tout cas, tu vois ce que je veux dire, c'est que pensez à tous les facteurs, tous les trucs, pour toutes les possibilités de que la PMA peut être. Voilà, donc c'est peut-être tu vois, la PMA, il y a beaucoup c'est visé. Je bafouille parce que c'est un sujet qui est assez sensible. Hein. La PMA, il y a beaucoup c'est visé beaucoup contre les homosexuels, alors qu'il faut penser à toutes les femmes qui peuvent faire appel à la PMA. Faut pas viser uniquement les homosexuels, c'est-à-dire les lesbiennes, alors que toutes les femmes sont concernées et peuvent être concernées un jour par cette situation. Il y a une femme hétérosexuelle qui souhaite pas, qui peut être asexuée ou qui ne souhaite pas avoir de relations sexuelles du tout avec un homme. Ça ne veut pas dire qu'elle est homosexuelle. Non. Ça il existe des femmes dans le monde qui ne souhaitent pas avoir qui n'aiment pas le sexe et qui n'aiment pas le sexe et qui elle peut aimer un homme. Ou une femme, bien sûr, et elle peut détester les rapports sexuels, et qui a envie d'avoir un enfant. Et pour là, elle est obligée de passer par la procréation médicalement assistée. Mais ça ne veut pas dire que cette femme est homosexuelle. Ah non. C'est un point. Après, je viens de donner un autre exemple, c'est, supposons, et je le souhaite à personne, bien sûr, parce que ça doit être terrible de vivre ça, le cancer des ovaires. Mmh. C'est terrible, c'est une situation très très terrible qui peut se produire et que je souhaite à personne. Et que imaginons une femme qui n'a pas d'enfant, demain on lui apprend qu'elle a le cancer des ovaires, elle aura jamais d'enfant. Ouais. C'est terrible, hein. C'est un peu compliqué, ouais. C'est une situation qui peut se produire malheureusement et qu'il faut pas négliger. Mmh. Et bien sûr, les femmes lesbiennes, il faut pas les oublier parce que c'est aussi pour elles qu'on fait ce sujet. Les lesbiennes, bien sûr, qui n'auront pas de rapport avec des hommes, qui souhaitent avoir des enfants. Je vois pas ce qu'il y a de grave qu'une lesbienne souhaite avoir un enfant. De toute façon, un sperme, ça vient d'un homme, ça vient pas d'un chien, à ce que je sache. Automatiquement, même si physiquement elle a pas le rapport avec l'homme. Mmh. Elle l'a quand même, hein. Mais c'est ça, c'est-à-dire. Elle l'a quand même sauf qu'il n'est pas physique. Mais voilà, ça. Donc si on en côté. Elle l'a, on enlève, quand même. On enlève le côté sexuel. Mmh. On nous dit, on nous bassine depuis des lustres en disant qu'un enfant, c'est fait avec un homme et une femme. Ben on l'a. La procréation médicalement assistée, il y a don de sperme, il y a le côté sperme congelé et l'ovule. C'est donc fait par un homme et fait par une femme. Alors qu'est-ce qu'on nous bassine? Qu'est-ce que la Manif pour tous nous fait oui, hein, tu vois ce que je veux dire avec ça? Le rapport sexuel n'y est pas. Je vois où c'est qu'ils veulent en venir quand ils disent qu'ils sont contre ça. Parce que, d'accord, c'est un enfant qui naît, d'accord. Automatiquement, il va connaître sa mère, mais il va pas forcément connaître son père. Alors si bien sûr le père est de faire un don anonyme, forcément il connaîtra pas son père. Mais je suis désolé, dans d'autres cas, il y a même des parents, et ça je suis obligé de le dire, qui ont des rapports sexuels normaux et qui ne reconnaissent pas leurs enfants. Ouais. Ou qu'ils n'arrivent pas à en avoir quand même. C'est pire. Non, mais c'est pire cette situation. Donc là, c'est que quand il y a des enfants qui sont nés sous X ou qui sont qui sont nés sous X, qu'est-ce qu'on va leur dire? C'est fait. L'enfant est conçu par un homme et une femme, mais dont les parents ne sont pas reconnus. C'est pareil. Dans ce cas, qu'est-ce qu'on doit dire sur l'avenir de l'enfant?
C'est pire. Il est beaucoup plus compromis que voilà. Tandis que là, c'est fait. Tandis que là, une femme qui souhaite avoir un enfant souhaite avoir un enfant, quelle que soit sa sexualité. C'est pas une histoire de sexualité. C'est une femme, qu'elle soit lesbienne ou qu'elle soit hétéro, bisexuelle, c'est une femme. Ça reste une femme comme tout le monde. D'accord, c'est des procédés qui sont pas naturels, sans rapport physique, tout ce que vous voulez. Ouais, mais on ne va pas juger les méthodes. Mais de toute façon, un enfant, et tout, quoi qu'il en soit, conçu par un homme et une femme, puisqu'il faut un sperme et une ovule pour qu'il y ait un enfant. Donc il faut arrêter de nous casser les bonbons, il faut qu'ils arrêtent de nous casser les bonbons, et c'est pas avec un chou et une fleur hein, que l'enfant sera conçu. Hein. Il faut arrêter un petit peu. Ils se sont encore basés sur le temps de la préhistoire ou encore loin. L'homme de Cro-Magnon. Oui, c'est un petit peu ça, mais bon, n'empêche que c'est bien. Mais surtout, il faut dire que ceux qui font la manif pour tous, il ferait mieux de se remettre en question, parce que là, je crois qu'il faut qu'ils arrêtent vivre à l'âge de pierre. Donc, ils sont contre la pierre, parce que ce sont des techniques qui sont pour eux pas naturelles. En gros, c'est ça, parce qu'il n'y a pas de rapport. Maintenant, dans ce cas, moi, je préfère mieux que la manif pour tous. S'ils souhaitent protéger les enfants, c'est peut-être une chose que je peux un peu comprendre. Mmh. Oui, mais ils ont une manière néfaste de protéger les enfants. Ouais. C'est ça qui m'inquiète. L'avenir des enfants ne se construit pas sur la sexualité des parents. Ah non. De toute manière, l'avenir des enfants, c'est sur une éducation. Et puis, on va pas transmettre à ses enfants. C'est pas parce que ses parents sont lesbiennes ou homosexuels que l'enfant va forcément être homosexuel plus tard. Ça, c'est le premier point. Autre chose, c'est pas parce qu'un enfant sera éduqué par des homosexuels que les homosexuels ne savent pas, et là je parle cette fois sur l'homoparentalité, que les homosexuels ne savent pas éduquer un enfant. C'est faux. Ouais, l'éducation des parents, ils sont pas arriérés pour autant. Et alors c'est vrai, je me rappelle de l'année dernière quand ils configurez-vous ces enfants, vos enfants à ces personnes-là, je parle de deux personnes qui étaient qui étaient habillées en cuir à la Gay Pride. Mais je suis désolé, dans ce cas, je suis pareil. Est-ce qu'on va confier des enfants c'est pareil, mais il y a des enfants qui sont pas forcément en sécurité avec tous les parents hétérosexuels pour autant, avec tout ce qu'on entend parler, entre les viols, les pédophilies, les naissances sous X, même carrément des enfants qui abandonnent leurs enfants, qui abandonnent pour des raisons financières, tout ce que vous voulez. Est-ce que là-dessus, nous-mêmes, on doit dire que c'est normal, ça? Non, c'est pas normal. Donc, il faut arrêter de dire que les homosexuels, il faut arrêter de mettre tout sur le dos des homosexuels, comme quoi ils sont pas capables d'élever des enfants, ou qui que si que là, alors que chez les hétérosexuels, il y a des cas, et il y a des cas, et et qu'il faut prendre en notation. Et la plupart des cas par rapport aux enfants, c'est chez les hétéros, le problème. Alors, je vais revenir sur la technique de la procréation médicalement assistée pour y venir. Il existe des inconvénients, toutefois, sur la procréation médicalement assistée. Il y a des inconvénients physiques, d'abord. Donc, il y a l'hyperstimulation ovarienne de la femme qui fatigue son corps. L'IA est moins fatigante pour la femme que la fécondation in vitro, l'insémination artificielle, c'est pour l'IA. Au cours d'une assistance médicale à la procréation, des incidents plus ou moins sévères peuvent survenir à chaque étape du processus de prise en charge, du fait des traitements administrés, des gestes de ponction et d'anesthésie. Comme tout geste chirurgical, la ponction ovarienne peut entraîner des complications anesthésiques, hémorragiques, infectieuses, pouvant nécessiter un traitement, une hospitalisation, une opération et avoir exceptionnellement des conséquences graves sur la santé. Plus fréquemment aussi, il y a une réponse excessive à la stimulation ovarienne appelée syndrome d'hyperstimulation ovarienne qui peut survenir à l'origine des symptômes plus ou moins graves. Le plus souvent, l'hyperstimulation se manifeste par une gêne ou des douleurs abdominales, des nausées, des vomissements, une diarrhée aussi, une augmentation de la taille des ovaires. Plus rarement aussi, cela entraîne une prise de poids brutale, une accumulation de liquide dans le péritoine, des troubles aussi respiratoires. Et exceptionnellement, l'hyperstimulation ovarienne peut avoir des conséquences sévères, par exemple la formation de caillots sanguins. Dans tous les cas, l'apparition de signes, même peu importants, impose une consultation en urgence pour évaluer la gravité et envisager une hospitalisation si nécessaire. Deuxième inconvénient, c'est sur le fœtus.
De façon générale, les grossesses après fécondation in vitro semblent être légèrement plus compliquées que les grossesses naturelles. Les études publiées mettent en évidence un risque accru de prématuré et de petits pois de naissance, essentiellement lié à la plus grande fréquence des grossesses multiples, mais peut-être aussi, non pas tant à la technique de fécondation in vitro elle-même, qu'à l'infertilité des parents. L'enfant qui est né d'une procréation médicalement assistée a un risque légèrement majoré d'être porteur de malformations à la naissance. Il y a 6,7% au lieu de 6% pour un couple hypofertile, concevant naturellement, et 5% pour un couple sans problème connu d'infertilité. Il y a aussi, ce sont des malformations souvent peu graves quand même. Hein. Alors ces chiffres ne doivent pas cacher que la très grande majorité des enfants sont strictement normaux, et ça il faut être rassuré là-dessus. Il est difficile de savoir si ce risque est imputable au traitement de l'infertilité, ou bien à l'infertilité elle-même, ou bien aux caractéristiques des couples de fécondation in vitro, l'âge élevé, bien, par exemple la parité aussi, ou encore à la fréquence élevée de grossesses multiples. Voilà. Eh ben, vous voulez avoir des positions des religions? Ah, ça c'est sympa. Ouais. Ah ouais, tiens. Tiens, ça serait sympa. Alors, position de chaque religion par rapport au judaïsme. Alors, pour eux, la procréation médicalement assistée, c'est plus permissif que le catholicisme. Il autorise les inséminations artificielles, le judaïsme, avec le sperme du conjoint uniquement, le contraire étant considéré comme un adultère. La fécondation in vitro, la congélation d'embryons et le diagnostic pré-implantatoire, ces techniques doivent être observées à un couple hétérosexuel, sauf dans le judaïsme libéral. Donc, eux, ils sont pour la PMA, mais uniquement pour les hétérosexuels. Par rapport aux techniques que je vous ai données. Ouais. Pour le christianisme, alors il y en a plus. Donc il y a le côté catholique et le côté protestant. Alors chez les catholiques, l'Église catholique s'oppose à la procréation médicalement assistée. On le savait. Le Vatican considère que l'enfant doit être considéré comme un don de Dieu et conseille plutôt aux couples stériles d'adopter des enfants ou de se mettre au service des enfants. Pour l'Église, un enfant doit être uniquement le fruit de la relation sexuelle d'un couple marié. Donc voilà, il n'y a pas de problème là-dessus. On va être marié, on arrive. L'insémination artificielle n'est jamais permise car elle n'est pas un moyen technique ni une aide qui facilite l'acte conjugal. Elle s'y substitue. La position officielle de l'Église catholique romaine a été exprimée en 1987 dans l'instruction Donum Vitae, puis en 2008 dans l'instruction Dignitas Personae. Donc ça c'est chez les catholiques. Chez les protestants, c'est visiblement l'ensemble de dénominations religieuses le plus ouvert en ce qui concerne la PMA. Donc chez les protestants, oui. Mmh. La plupart des techniques sont autorisées chez les protestants. D'accord ? En effet, le recours aux techniques d'AMP ou PMA est autorisé. La seule restriction formulée est que ces techniques ne doivent pas avoir d'autre intérêt, par exemple financier, que celui de donner la vie à un enfant. Ben, vous voyez, chez les protestants, au moins, c'est bien. Il n'y a rien à dire. La question, elle est là. Puis c'est vrai que je suis d'accord. Je suis d'accord sur le principe. Et puis je suis d'accord aussi sur ce que les protestants ont dit. On ne fait pas un enfant pour l'argent. Ah oui, non, c'est clair. Par rapport pour les aides financières, les administratives, la CAF entre autres, les aides familiales, tout ça. Vous voyez, je ne suis pas protestant, mais je me rapproche beaucoup de leurs idées. C'est très bien dit. Concernant l'islam, l'insémination artificielle et la fécondation in vitro sont permis, aussi dans l'islam, mais seulement si le couple est marié. Et que le spermatozoïde et l'ovule proviennent bien du même couple désirant un enfant. La sélection du sexe du bébé est interdite, sauf par certains savants. Dans le cas où une maladie génétique touche exclusivement un ou deux sexes, le diagnostic pré-implantatoire est autorisé seulement s'il est à visée thérapeutique. Les positions sont parfois divergentes entre les plus hautes autorités sunnites et les chiites, par exemple, les chiites, le cannabis, les chiites dans l'islam. C'est H-I-I-T-E-S. Donc en France, je vais revenir là-dessus, il y a en 2006 11 649 tentatives d'AMP par an, de PMA, dont 54 169 inséminations artificielles et 65 413 cycles de fécondation in vitro. Les embryons surnuméraires sont conservés par des centres d'AMP, où ils sont congelés dans le tant que le couple le souhaite. Sans nouvelles du couple pendant 5 ans, et là on est en France, hein, sans nouvelles du couple pendant 5 ans, le centre peut mettre fin à la conservation des embryons. En 2006, il y a eu 176 523 embryons qui étaient ainsi conservés, ce qui concerne 49 618 couples.
soit une augmentation de 25% par rapport à 2005 quand même. Toujours en 2006, 83 407 embryons ont été abandonnés par leurs parents, soit presque autant que ceux qui continuent à faire l'objet d'un projet parental. Les parents ont décidé soit d'en faire don à la science, ça je trouve pas ça très bien, pour être honnête, on fait pas don à la science de ça. Mmh. Ça je suis contre par contre. De les proposer à d'autres couples stériles, pourquoi pas. Mmh. Il y en a, ça concerne 10 239 cas quand même. Ou de les détruire, 17 877. Alors détruire des spermes, tout ça, c'est pas un meurtre. Alors ne vous inquiétez pas, ne vous mettez pas ça en tête. Hein. Non, mais à ce compte-là, ça sert à rien d'avoir oui. fait ça. À quoi ça sert de faire la démarche proposer de voilà. En gros, c'est de congeler leur. Tu es en train de me dire à quoi ça sert de faire la démarche si c'est pour se désister, ouais. C'est ça que tu veux dire. Mmh. Parce que peut-être il y a eu des séparations, il y a eu des mères, comme je l'ai dit la dernière fois, qui peuvent avoir des cancers. Voilà, c'est du cas par cas, de toute façon. Ouais, là. Voilà, après, donc le problème, il est là. Alors, réglementation en France par rapport à la PMA. L'assistance médicalement à la procréation, la PMA, est encadrée par la loi de bioéthique numéro 2004-800 du 6 août 2004, dispositions qui ont été révisées par la loi du 7 juillet 2011. En France, la PMA est définie par l'article L2141-1 du Code de la santé publique. Les grands principes juridiques de la PMA sont les suivants. Premier point, la mise en œuvre de l'assistance médicale à la procréation est indiquée lorsque le couple se trouve face à une infertilité médicalement constatée. Toutefois, la stérilité des deux membres du couple n'est pas exigée. Le juriste Daniel Borriot a parlé de la stérilité du couple comme d'une fiction juridique, entre autres. Ou pour éviter la transmission d'une maladie grave à l'enfant ou à l'un des membres du couple. Elle se pratique dans des établissements autorisés et par des praticiens agréés pour ses activités. Le couple qui doit être hétérosexuel, donc pour c'est vrai qu'à l'époque, pour l'instant, c'est pas encore le cas pour les homos, ça, on verra ça en décembre. Donc pour l'instant, en France, c'est autorisé uniquement pour les hétéros. Qui doit être en âge de procréer, marié ou non. Donc pas obligé d'être marié en France. Ouais. Pour les concubins, plus besoin de prouver aussi qu'il ait 2 ans de vie commune depuis la loi bioéthique de 2011. En France, il est interdit de faire appel à une mère porteuse. Je l'ai déjà dit. Et d'avoir recours à un double don de gamètes. L'anonymat et la gratuité et le volontariat, ce sont des principes de non-patrimonialité du corps humain sont les grands principes sur lesquels repose le don de gamètes et l'accueil d'embryons. Deuxième principe juridique en France, concernant la conservation des embryons. Avec l'accord écrit préalable du couple, il est possible de féconder un nombre d'ovocytes tels que le couple peut obtenir des embryons surnuméraires de bonne qualité qui seront congelés pour un transfert ultérieur. Le couple est ensuite consulté chaque année par écrit avec le devenir de ces embryons congelés. Son consentement est recueilli par écrit et confirmé après un délai de réflexion de 3 mois. Par ailleurs, l'arrêt de la conservation des embryons est possible dans des conditions très précises. Elle est par exemple si le couple est consulté à plusieurs reprises, ne donne pas d'avis sur le devenir de ces embryons conservés depuis au moins 5 ans. Troisième principe juridique en France, lors d'une procréation intraconjugale, les règles de filiation sont celles qui régissent toute naissance. Quatrième point, concernant le don des gamètes, le couple receveur doit préalablement donner son consentement au juge ou au notaire, ce qui interdit par la suite toute action pour établir ou contester la filiation, sauf s'il est démontré que l'enfant n'est pas issu de l'assistance médicale à la procréation ou si le consentement s'avère invalide. Cinquième point, comme pour le don de gamètes lors d'un accueil d'embryon, le couple receveur donne son consentement au juge, qui a aussi une mission de contrôle des conditions d'accueil et que le couple est susceptible d'offrir à l'enfant à naître sur le plan familial, éducatif et psychologique. L'accueil d'embryon est subordonné à une autorisation du juge donnée pour 3 ans au couple receveur. Et enfin, sixième point, donc le 23 juin 2011, le Sénat a voté le projet de loi de bioéthique voté par l'Assemblée nationale le 21 juin 2011, donc 2 jours avant, et reprenant les conclusions adoptées par la commission mixte paritaire le 15 juin 2011, cet ultime vote des sénateurs marque l'adoption définitive par le Parlement de la loi de bioéthique révisant la loi de 2004. Voilà, ça c'était en France. Maintenant, je me pose une question, parce qu'on a lu pas mal de choses en France. Mmh. Qu'est-ce qui dérange parce que c'est autorisé pour les hétérosexuels en France, hein, la PMA.
Donc qu'est-ce qui dérange que la PMA parce qu'en fait si j'entends bien ce que dit si j'écoute ce que dit la Manif pour tous, ils sont contre la PMA tout court. Sachant que la PMA est autorisée pour les hétérosexuels. Et pourtant, les catholiques n'en font pas un scandale que les hétérosexuels ont recours à la PMA. Jusque-là, on suit. Non, oui. Alors c'est ça que je ne comprends pas. Si les catholiques sont contre la PMA, pourquoi ils n'en font pas autant scandale contre cette loi de 2011 ? C'est pas logique. Donc si, en fait, et après ils disent qu'ils sont pas homophobes. Je suis en train de plus ça va, plus j'y réfléchis. La PMA est autorisée donc avec les hétérosexuels, il n'y a pas de scandale pour moi. Et pourtant, c'est le même problème. Mmh. Le même problème, l'enfant n'est pas conçu naturellement. Ben non. Mais pourtant, on est bien dans les couples mariés hétérosexuels. Donc je ne comprends pas pourquoi ils en font tout un speech, parce que la PMA sera peut-être autorisée pour les homosexuels. Alors que c'est le même principe. Mmh. Dans ce cas, si ils sont contre la PMA... Ouais, ce qu'ils ont peut-être peur, c'est que simplement... qui est pas mal de d'homosexuels qui décident d'avoir des enfants. Mmh. Et ça, je parle pas la plupart par rapport aux lesbiennes, parce que on sait très bien que il y a beaucoup de lesbiennes qui souhaitent avoir des enfants, et c'est parce que... Et ce qu'ils ont peur, c'est peut-être au niveau calendrier des hôpitaux, des trucs, d'imposer cette... Parce que ce qui est... Que à mon avis, si c'est la loi passe pour la PMA, ça veut dire que tous les hôpitaux de France, oui, et de l'Union Européenne vont être obligés d'accepter. Enfin, en tout cas, moi, ce que je ne comprends pas, c'est prévoir. Non, mais c'est pas ça. Mais c'est pas normal que ce soit, s'ils sont contre la PMA en général, c'est pas normal qu'ils autorisent aux hétérosexuels dans ce cas. Oui, voilà, oui, à ce compte-là, vaut mieux qu'elle soit interdite pour tout le monde. Parce que par rapport à tout ce que j'ai entendu depuis un an, bon, c'est je sais que pour les lesbiennes qui le... Là, on parle de PMA. Moi, ce que j'ai entendu l'année dernière, c'est l'adoption qui sont contre. Eh oui, l'adoption. Mais la PMA, c'est pas une adoption. Ben non. C'est ça que je ne comprends pas. En fait, les politiques, l'UMP, Front National, Manif pour tous, tout ce que vous voulez, Civitas, mmh, et toute la clique, ils sont contre l'adoption des enfants par les couples homosexuels. Alors qu'est-ce qui leur dérange sur la PMA ? La PMA est autorisée pour les hétérosexuels et ça ne dérange personne. En revanche, que ça soit autorisé pour les homosexuels, ça dérange. Donc c'est bien ce qu'on dit, ça retourne... C'est des homophobes en puissance. Voilà, ça revient à la première chose qu'on a dit. Sont-ils homophobes ou pas ? Avec tout ce que je vous dis en ce moment, oui. Ah ben c'est ils visent prouvé, uniquement c'est... l'adoption, ils visent les homosexuels, la PMA, ils visent les homosexuels, ils visent tout le temps les homosexuels. Mmh. Et à part ça, c'est pas d'homophobie, il faut arrêter un petit peu les bêtises. Non, parce que pour eux, les homosexuels ne sont pas normaux. On en gros, on est des animaux. Pour eux, on n'est pas des animaux. C'est pas qu'on est des animaux. Pour bah eux, on considère comme ça. Non, pour eux, considère les homosexuels alors, comme ça. Pour eux, nous sommes pas des animaux. Pour eux, nous sommes pas normaux, tout simplement. En une phrase, en trois mots, c'est ça. Alors si qu'ils on ont est aucun normaux, pour eux, alors c'est quoi ? Alors que ça leur permet pas. Ils ont aucun droit. Ils ont aucun droit de juger la personnalité d'une personne. Ah non, mais... Parce que avant de juger une personnalité, c'est pas parce qu'ils ont des images par rapport au Gay Pride. Et ça, il faut bien qu'ils se mettent ça en tête. C'est pas parce qu'ils voient des images de Gay Pride avec des... Et c'est pas de l'homophobie, parce que je suis pas homophobe, vous le savez très bien, étant homosexuel moi-même. C'est pas parce que ils se basent en fait sur les images de Gay Pride. Mmh. C'est en fait leur attaque, ouais, par rapport aux personnes qui s'habillent en cuir et tout ça. Ils s'habillent en cuir, voilà. qui se mettent en plumes, qui se déguisent, qui sont maniérés aussi. Ouais. Donc ils se basent sur ce problème-là. Or, il faut bien qu'ils se mettent en tête que l'homosexualité, ce n'est pas ça. C'est pas parce qu'il y a des homosexuels qui sont maniérés ou qui sont habillés, qui ont des plumes, qui sont en cuir ou tout ça. Que voilà, mais ils sont en train de mélanger tous les homosexuels en même temps. Oui, ils sont en train de... Ils mettent tout pour entre une mains. Petite, c'est con ce que je vais dire, mais vous avez... Je ne dis pas que quelqu'un qui est habillé en plume, en cuir, tout ça, n'est pas capable d'élever des enfants. Au ah contraire. Non, c'est j'ai pas dit ça. Mais je me mets, j'essaie de comprendre. Ils sont en train de cataloguer c'est tous ça. Les homosexuels d'incapables en prenant l'image des Gay Pride. L'image des Gay Pride,
des personnes qui sont habillées en cuir, qui sont des sadomasochistes, parce voilà, que ceux ça. Qui sont habillés en cuir, c'est des sadomasochistes. Alors moi j'aurais pas dit un sadomaso. Ça c'est archi faux, je suis pas d'accord avec toi. D'un sens, mais voilà, alors c'est pas des sadomasos les cuirs, c'est ce qu'on appelle les cuirs, c'est comme tout simplement. Ouais, non, mais c'est pas des sadomasos, c'est archi faux. Et bien là, c'est la plupart. Mais oui, mais ça c'est entre eux, mais pas avec des enfants. Ils vont pas être sadomasos avec des enfants. Non, mais voilà. Ce que je veux dire, c'est entre eux. Ce que je veux dire, ce que je ne comprends pas, c'est qu'ils se mettent, ils comme tu as dit, ils cataloguent l'image des homosexuels en prenant l'image des gay pride et ils mettent tous les homosexuels dans la même image. Ouais, et ça c'est une erreur. C'est pour moi c'est l'erreur absolue. L'erreur absolue de la manif pour tous, elle est là. C'est ça leur erreur. Et donc du coup, et là, c'est pas de la discrimination, mais c'est plus de l'injure, parce que en injuriant les homosexuels, en les mettant dans cette image-là, ils sont en train de, en quelque sorte, d'injurier les homosexuels qui ne sont pas dans cette image, qui ne vont pas dans les gay pride, parce que tous les homosexuels ne vont pas dans les gay pride. Tous les homosexuels ne s'habillent pas en plume, ne s'habillent pas en cuir, ne s'habillent pas tout ça, qui sont normaux, qui sont des gens normaux, qui vivent comme tout le monde. Il y en a qui voilà, et qui et ça c'est une injure et c'est même des insultes envers les homosexuels en leur mettant des images qui ne sont pas eux. Voilà, en les cataloguant dans ces catégories-là. Attention, on ne met pas à l'écart, pour autant, les personnes. On ne met personne à l'écart. Toutes les personnes qui sont dans la gay pride, on ne les met pas à l'écart parce qu'on lutte pour tous les LGBT et pas une partie des LGBT. Il faut bien qu'on soit d'accord. Ça ne veut pas dire qu'on met à l'écart ceux qui font la gay pride, qui sont en plume, tout ce que vous voulez, qui sont déguisés. Non! Vous restez comme toutefois des hommes, des femmes et qui ont le droit d'avoir des vies, qui ont le droit d'avoir des enfants, comme tout le monde. La seule chose, c'est que voilà. C'est en gros ce qui détruit un petit peu l'image de l'homosexualité, c'est l'image des gay pride. Il faut qu'ils arrêtent un peu de. Il va falloir faire très attention à ça. Et si on veut un jour être montré ce qu'on vaut, il faut faire très attention à l'image qu'on donne aux gay pride. Ouais, c'est ça. Sûr. Et c'est-à-dire que on n'a rien contre les gay pride parce que c'est pour les droits des LGBT. Mais si c'est pour donner des images. Négative. Forcément, les politiques et la manif pour tous, eh bien, ils les utilisent. Ben oui. Et ils s'en servent. Et ils attaquent. Bon, faut dire, les journalistes, ils sont pas mieux non plus, hein. Là-dessus, ils sont pas mieux non plus, hein. Je crois pas que les médias soient à ce niveau-là, mais, voilà, quoi. Ils font, d'un certain sens, ils font exprès, pendant les gay pride, de photographier que les personnes en cuir, ou il y en a en général, ils photographient tout le monde en général, mais il y en a, ils sont basés simplement, voilà. Bon, alors pour finir, je vais vite parler de la gestation pour autrui, qui je rappelle qu'il sera pas dans la loi famille de cette année, mais je vais quand même faire une petite définition pour ceux qui savent pas ce que c'est. Donc la gestation pour autrui, c'est une méthode d'assistance médicalement à la procréation, donc qui se pratique généralement en cas d'infertilité féminine liée à l'absence d'utérus ou à sa déformation. La mère porteuse porte l'enfant d'un couple qui a fourni ses embryons. Elle ne fournit pas une contribution génétique, c'est-à-dire un ovule, mais elle prend en charge le développement in utero d'un embryon et à la naissance remet l'enfant à la mère génétique. Donc c'est le côté mère porteuse de gestation pour autrui qui n'est pas autorisé en France. Du fait des variations de législation, un tourisme procréatif a pu se mettre en place, lequel pose ensuite parfois aux juridictions le problème de la transcription sur les actes d'état civil d'actes de naissance effectués à l'étranger. Cela pose des problèmes majeurs, notamment en raison de l'absence d'un droit international privé concernant les dépenses techniques de PMA. En France, la gestation pour autrui, la GPA et la PMA sont regroupées sous le vocable de maternité pour autrui, interdite en France depuis la décision de la Cour de cassation de 1991. Cette jurisprudence a été confirmée en partie par la loi de bioéthique en 1994. L'article 16-7 du Code civil dispose que toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d'autrui est nulle. L'article 227-12 du Code pénal sanctionne la provocation à l'abandon d'enfant. Je trouve ça normal, personnellement. Sanctionne aussi l'entremise en vue de l'adoption ou en vue de la gestation pour le compte d'autrui. Et enfin, l'article 227-13 du Code pénal sanctionne l'atteinte à l'état civil d'un enfant. Mais le principe de l'indisponibilité du corps humain n'a pas été retenu, mais remplacé par le principe de la non-patrimonialité du corps humain, introduit par l'article 16-1 du Code civil. L'article qui dit « Chacun a droit au respect de son corps ».
Le corps humain est inviolable. Le corps humain, ses éléments et ses produits ne peuvent faire l'objet d'un droit patrimonial. Ouais. Ça, c'est ce que dit l'article. L'article 16-1 du Code civil. Voilà, c'est ce que dit cet article. Cette nuance est une ouverture pour les pratiques qui relèveraient du don. Depuis 2002, les tribunaux ont été saisis à plusieurs reprises par des requérants voulant obtenir la transcription sur les registres d'état civil d'actes de naissance effectués à l'étranger et concernant des enfants créés par GPA. Ainsi, la Cour d'appel de Paris a accepté le 25 octobre 2007 la transcription dans les registres français d'état civil du service central d'état civil de l'acte de naissance américain. En 2011, au nom des principes essentiels du droit français, la Cour de cassation a refusé de faire produire effet au regard de la filiation à une convention portant sur la gestation pour le compte d'autrui. L'un des couples concernés par cet arrêt a depuis saisi la Cour européenne des droits de l'homme. La Cour d'appel de Rennes, dans un arrêt rendu en date du 21 février 2012, a confirmé au jugement du tribunal de grande instance de Nantes du 17 mars 2011 qui avait ordonné la transcription de l'acte de naissance d'un enfant né à l'étranger, supposément par gestation pour autrui. Alors, un groupe de travail du Sénat consacré à la maternité pour autrui s'est prononcé en 2008 en faveur d'un encadrement strict de la gestation pour autrui en France. D'accord. En revanche, l'Office parlementaire des choix scientifiques et technologiques s'est opposé à la levée de la prohibition de la GPA, en affirmant d'une part que rien ne permettrait de garantir l'absence de rémunération occulte de la mère porteuse, en l'absence de toute possibilité matérielle d'anonymat, et d'autre part qu'aucune étude n'avait été faite sur les conséquences pouvant résulter les pratiques de GPA sur les enfants nés ainsi, ni sur la famille des enfants des femmes concernées. Donc voilà. Donc c'est plus des lois que parce qu'il faut comme la gestation pour autrui n'est pas encore autorisée. Est-ce pour ou contre ? Elle sera pas, alors ça sera pas dans la loi famille, mais est-ce que franchement ça dérangerait est-ce que c'est un sujet qui dérangerait franchement de mettre dans le projet de loi famille, qu'on en parlera après d'ailleurs après la pause. Bah personnellement non, on peut en parler, mais bon. Est-ce que ça dérange ou... Est-ce que ça dérangerait qu'il y ait une mère porteuse ? Moi, je m'en fous, personnellement, ça ne me dérangerait pas. Alors. Qu'est-ce qui dérange finalement dans le fond qui est d'ailleurs, il y en a déjà en France hein, qui sont. Dans le fond, je ne vois pas ce qui dérange. Hein. Non, bah non. Je ne vois pas ce qui gêne. Encore ça se fait déjà en France. Hein. Ah, c'est pas en France, c'est illégal en France, la GPA. Oui, faut pas l'oublier. Elle se fait. La PMA est autorisée, la GPA n'est pas autorisée. Attention, faut faire très attention. Hein. Mais il y en a qui le font, mais illégalement, et bien sûr, il y a eu des condamnations, comme on l'a entendu. Oui, mais oui, il y a eu des condamnations, mais bon, après, si elles font l'histoire des mères porteuses, automatiquement. Des mères porteuses, automatiquement, c'est des risques et périls. C'est elles qui prennent des risques. Hein. Après, bon, mais chacun est libre de faire comme il a envie. Hein. Exactement. Moi, je m'en fous personnellement. Alors. Moi, je sais que, voilà, personnellement, j'ai rien contre. Bien. Ils font ce qu'ils veulent. Alors, ce qu'on va faire, c'est que, de toute façon, on va parler du projet de loi famille pour terminer le sujet du jour. Mmh. On va faire en détail ce que ce projet de loi va proposer cette année 2014. Peut-être, parce que je reste sur le mot peut-être, parce que ça a été repoussé déjà deux fois, à savoir si ça va pas être repoussé. Comme d'habitude. Encore une fois. Ça a été déjà repoussé une fois l'année dernière, à mars de cette année. Ça a été repoussé une deuxième fois parce qu'en fait, l'excuse, c'est qu'il y a les municipales. Oui, bien sûr. Voilà. Donc, ça, c'est une excuse à deux balles. À ce compte-là, ils n'ont qu'à dire, mais de toute façon, c'est pas la priorité, on n'a qu'à pas le faire maintenant, au lieu de repousser à chaque fois. Oui, aussi. Mais ils n'ont qu'à le dire clairement, s'ils n'en veulent pas, automatiquement qu'ils n'en font pas leur priorité, on comprendra très bien qu'ils le retardent parce que c'est pas le moment, parce que c'est pas une priorité, au lieu de nous dire oui, il y a ci, il y a ça, en nous bassinant avec des excuses. Finir le sujet de la PMA. On va parler cette fois du projet de loi famille qui aura lieu cette année. Ça a été d'abord. Ça devait être déjà prévu au premier semestre 2014. Malheureusement, ça a été repoussé au second semestre 2014. Ça a été annoncé le 16 janvier dernier par Dominique Bertinotti, qui est ministre délégué chargé de la famille, lors d'un déplacement à Nantes. Donc, la présentation du projet de loi initialement prévu en mars avant les élections municipales pourrait être en avril au Conseil des ministres pour un examen devant les chambres deuxième semestre 2014, a déclaré la ministre. Le texte n'est pas encore prêt. Les quatre groupes d'experts chargés de plancher sur la loi sont en train d'approfondir
et finaliser un certain nombre de propositions. Donc on verra à quel moment effectivement on pourra rendre public dans les semaines qui viennent leur conclusion, a dit la ministre sans donner de date. À l'occasion d'une table ronde avec des professionnels en contact avec les problématiques de l'accouchement sous X, la ministre a évoqué plusieurs pistes de travail concernant les accouchements sous X, mais aussi la procréation médicalement assistée. Donc la question sur la connaissance des origines, c'est: doit-il y avoir levée de l'anonymat, et si oui, à quel âge? Est-il envisageable de dire que pendant 18 ans l'anonymat sera total et qu'après le fait d'avoir 18 ans donnerait droit aux enfants concernés de mettre un nom sur leur mère ou leur père biologique? Ça, c'est une question. La ministre a aussi évoqué la possibilité d'une réforme de l'acte de naissance afin d'avoir un acte officiel qui témoigne de ce qu'a été votre naissance sous X, l'adoption aussi, assurer tout enfant que s'il a des doutes, il saura au moins officiellement qu'il a été adopté, qu'il est né sous X, ou alors qu'aujourd'hui on est encore sur le bon vouloir d'adultes qui peuvent lui dire ou de pas lui dire. D'accord? Donc aussi Madame Bertinotti qui a également abordé le fait de revoir les conditions d'agrément des familles adoptantes compte tenu de la croissance du nombre de familles agréées alors que le nombre d'enfants adoptés diminue. Est-ce qu'on ancre pas ces familles dans une illusion douloureuse? C'est une question. Un jour viendra où des citoyens pourraient se retourner contre la collectivité en disant, voilà ce qu'ils pourraient dire, vous n'avez pas été suffisamment responsable de me laisser penser pendant 5 ans, 10 ans que je pourrais adopter. On ne sait jamais. Hein. Les enfants à la charge de l'aide sociale à l'enfance, l'ASE, souvent placés des années sans pour autant n'y revenir dans leur famille ni être adoptés, ont un taux de chômage supérieur à la moyenne nationale, a regretté la ministre. On sait aujourd'hui en France protéger contre les mauvais traitements des parents, mais sait-on protéger pour donner un avenir? C'est la ministre. Sacrée question. Les raisons du placement initial, puis quand le retour en famille n'est plus possible, un assouplissement des possibilités d'adoption, mais aussi les conditions de sortie de l'ASE à 18 ans, alors que les enfants ne sont pas encore autonomes, ont notamment été abordés par Madame Bertinotti. Alors, ce projet de loi famille va proposer? Il y a quelques pistes. La première piste, c'est sur le partage de l'autorité parentale. L'un des objectifs du projet de loi est de faciliter la vie des familles et de sécuriser des liens dans un contexte où les séparations conjugales sont de plus en plus fréquentes. Les familles récompensées sont donc au cœur des préoccupations. D'un côté, le gouvernement réfléchit à un statut du beau-parent, qui a été proposé l'année dernière pour le mariage pour tous, afin de clarifier de répartition des rôles et des responsabilités vis-à-vis de l'enfant. Si la délégation d'autorité parentale existe déjà, il s'agit d'une démarche lourde impliquant l'intervention du juge. Selon le magistrat qui s'appelle Jean-Pierre, Rosenfeige, j'espère que je l'ai bien dit, qui préside l'un des groupes de travail, et pas besoin d'y recourir par les actes usuels, comme aller chercher un enfant à l'école, par exemple, il suffirait d'inscrire dans la loi que l'enfant respecte l'autorité de la personne qui l'élève. C'est ce que dit le magistrat. Mmh. De l'autre côté, le ministre de la Famille veut aussi ménager la place des pères séparés, dont certains sont montés sur des grues ces derniers mois pour dénoncer la surdité de la justice à leur égard. Alors le paradoxe, est-ce que c'est un paradoxe? C'est une bonne question. En tout cas, c'est pas l'avis de Jean-Pierre Rosenfeige qui insiste, voilà ce qu'il dit. Il n'est pas question que le beau-père remplace le père. Oui, mais ça, c'est... C'est pas faux. C'est pas le faux, père, c'est le père. D'ailleurs, il y a beaucoup de beaux-pères qui reprennent le pouvoir. N'empêche que le beau-père, oui, mais après ça devient l'adoption. Simple. Ça veut dire que si, imaginons que le père n'a pas reconnu son enfant. Il n'a pas le droit. Non, ça existe qu'un père ne peut pas reconnaître son enfant. Mais le beau-père le beau-père est libre de faire une adoption simple, au pire. S'il est marié avec. Pas forcément, c'est pas obligatoire. Si. Non. S'il est marié avec. Non, c'est pas obligé. Il est obligé. Non. Reconnaître un enfant, il faut pas être marié, c'est pas obligé ça. Oui, non. Mais si le père, pour le reconnaître, t'as pas besoin d'être marié, mais pour l'adoption, si. Ah, tu parles du beau-père, oui. Bah, de toute façon, le beau-père, c'est marié. Le beau-père marié. Doit être. Je sais pas, en tout cas, c'est pas indiqué qu'il faut être marié, hein, donc je tiens à le préciser. Donc je répète ce qu'a dit le magistrat Jean-Pierre Rosenfeige, donc pour lui, il n'est pas question que le beau-père remplace le père, et pour ce magistrat, il est aisé de distinguer les actes usuels de la vie quotidienne des actes non usuels qui restent du ressort de l'autorité du parent,
Par exemple, autoriser une sortie de territoire ou l'orientation sexuelle, scolaire. J'allais dire une bêtise. L'orientation scolaire. Mais l'Union nationale des associations familiales, l'UNAF, qui estime que les choses ne sont pas si simples, si la mère, voilà ce que, une citation que, de l'UNAF qui dit que si la mère ou le père se remet plusieurs fois en ménage, comment faire? C'est une question. Est-ce que chaque beau-parent successif va bénéficier d'un statut vis-à-vis de l'enfant? Non. C'est une autre question. Est-ce que chaque beau-parent successif, je l'ai déjà dit, je crois, est-ce que cela implique en termes de devoir du tiers? On ne peut pas raisonner seulement en termes de droits nouveaux. Pour tenter d'apaiser les situations et garantir un partage serein des responsabilités, le gouvernement mise par ailleurs sur la médiation familiale. Aujourd'hui en France, seuls 4% des séparations se règlent par l'intermédiaire d'un médiateur familial. C'est trop peu. Estimé d'ailleurs Dominique Bertinotti. Mmh. Pour la FENAMEF, qui est la fédération qui regroupe des associations de médiateurs, ce n'est pas la médiation elle-même qu'il faut rendre obligatoire, mais l'information. Voilà ce qu'ils disent. Le FENAMEF, ils disent qu'on ne peut pas forcer les gens à entrer en médiation. Cela ne marche pas, souligne Sophie Lassalle, qui est la secrétaire générale. Le FENAMEF demande, en revanche, que les couples aient l'obligation de se rendre à un entretien d'information qui est gratuit. C'est quoi, d'ailleurs Sophie Lassa qui est convaincue que cela permet d'enclencher le processus. Maintenant, deuxième piste de cette loi, c'est l'enfant qui est sujet de droit. Alors pour Jean-Pierre Rosenfeld, les droits civils de l'enfant doivent être à la hauteur de ses responsabilités pénales. Il rappelle d'ailleurs qu'un enfant peut aller en prison à 13 ans. C'est vrai. Ce panne du futur projet de loi concerne donc les nouveaux droits des mineurs en termes d'engagement associatif, de citoyenneté, etc. Mais aussi l'accompagnement dans l'exercice de ces droits, précise le président du tribunal pour enfants de Bobigny en Seine-Saint-Denis. Alors fin septembre de l'année dernière, la ministre déléguée à la famille a ainsi évoqué l'idée d'une pré-majorité entre 16 et 18 ans. Ah, ça c'est quelque chose qu'on n'avait pas évoqué. Pré-majorité. La majorité c'est à 18 ans. Ouais. Et maintenant, on parle de pré-majorité entre 16 et 18 ans. Donc, on a le statut mineur. Oui, parce que oui. Statut mineur oui. Jusqu'à 16 ans, pré-majorité entre 16 et 18 et 18 ans majeur. Apparemment, ça serait ça. Donc, cette pré-majorité qui pourrait ouvrir, entre autres, un droit de vote aux élections locales, mais n'ayant pas d'impact judiciaire. Donc, voilà ce qu'a dit la ministre. Elle a dit nous avons des jeunes qui peuvent commencer à travailler à 16 ans, dont la majorité sexuelle est à 15 ans. Avec des droits dans certains cas, mais aussi des incapacités dans d'autres. La ministre des tutelles, qui s'appelle Marisol Touraine, bien sûr, qui s'est toutefois montrée réservée quant au droit de vote avant 18 ans. Pour ou contre? Pour ou contre la pré-majorité? Donc c'est vrai que la majorité sexuelle, c'est 15 ans. C'est vrai, il faut pas l'oublier. L'école obligatoire, quand même. Mais non, parce qu'il faut, il faut quand même effectivement réfléchir dans tous les axes. L'école est obligatoire jusqu'à 16 ans. C'est vrai. La majorité sexuelle est à 15 ans. C'est vrai. À 16 ans, on est capable. Parce que, sachant qu'à 16 ans, on travaille, on peut personnellement, je pense, être capable. On travaille pas tous à 16 ans. On n'est pas forcé de... Alors oui et non, ça veut dire que là aussi on revient sur le cas par cas. Ça veut dire que si un 16 ans est lycéen, pour toi il n'est pas capable de voter et être pré-majeur par rapport à ça. Moi je pense que si. Toi, pour toi, tu dirais qu'un quelqu'un qui... Je sais pas, moi, personnellement, j'en sais rien. Enfin, moi, ça me choque pas par rapport à... Non, c'est pas que ça me choque, mais je sais pas, moi, personnellement, après, chacun est libre de faire comme il veut, mais bon, après, ils veulent se compliquer la vie, après, si c'est pour essayer de responsabiliser les jeunes... Responsabiliser les jeunes plutôt à partir de 16 ans, pourquoi pas? Mais ils sont pourquoi responsables. Mais ils sont responsables à 16 ans. Parce qu'ils travaillent à 16 ans. Ouais, pas tous. Hein. Pas tous, mais à 16 ans, on est capable. Apparemment, l'école n'est plus obligatoire à 16 ans. Donc apparemment, oui. Donc pour moi, ils peuvent être responsables à 16 ans. Peut-être pas forcément avoir un logement. Moi, j'y crois pas. À 16 ans, ça fait un petit peu tôt. Ouais. Mais être responsable et être citoyen, c'est-à-dire au lieu d'être citoyen à 18 ans, ils seront citoyens à 16 ans. Moi, je pense que là-dessus, ils sont largement capables. Mais ce qui me dérange, c'est que j'entends les élections locales. Ouais. Donc tout ce qui est municipal, tout ce qui est législatif et tout ce qui est présidentiel, ça a été écarté, ça. Ouais. Alors qu'ils sont capables à 16 ans de voter.
à mon sens. Ouais, mais est-ce que ça va être... Ouais, je sais pas. Enfin, moi, personnellement, je ne suis pas contre. Mais effectivement, conditions qui sont responsables. Ah ben voilà, après, si c'est pour faire les cons par derrière, non, ça vaut pas le coup. Responsables, et pour moi, ils le sont responsables. Pour moi, je suis sûr. Ils en sont capables. Mais je trouve que la loi est un petit peu... à moins que ça soit pour commencer, on va dire. Est-ce que ça va aller jusqu'à la majorité à 16 ans? Peut-être, mais peut-être que c'était une avant-loi de majorité. Parce que il y avait une loi à une époque. Je me rappelle plus quel gouvernement voulait faire ça. Il y avait un gouvernement qui voulait mettre la majorité à 16 ans. Je m'en souviens de ça. Et ça a été refusé, bien sûr. Mais maintenant, moi personnellement, je trouve que les jeunes de 16 ans, enfin les jeunes à partir de 16 ans, pour moi, sont capables. Bien sûr. De toute façon, ils sont responsables quand ils font les cons. Bon. Automatiquement, ils sont responsables. S'ils sont responsables à partir de 16 ans quand ils font une connerie, automatiquement, pourquoi pas les responsabiliser avant, ouais. Pourquoi pas? Ah, mais de toute façon, il faut pas oublier qu'un enfant peut être en prison à partir de 13 ans. Donc, ils sont déjà responsables à 13 ans pour les crimes et les délits. Faut pas les oublier, ça. Ouais, mais ils disent que souvent, la plupart, ils font on était mineurs, on était inconscients, machin. Voilà. Ils font jouer. Ils essaient de faire jouer ça pour éviter la prison, bien sûr. Ouais. Mais c'est hyper facile de jouer la psychologie plutôt que de reconnaître. Mmh. Mais même à 18 ans, 18, 20 ans, même les majeurs, ils jouent ce rôle-là. Il n'y a pas que les mineurs, il faut pas exagérer. Donc. Ouais. Enfin, pour moi, je suis pas contre ce sujet-là. À voir. Pour la pré-majorité de 16 ans, moi, je trouve que c'est une bonne idée. Ouais. Ça l'est, ouais. Après, à suivre, parce que à savoir ce que ça va donner. Ouais. Troisième piste pour ce projet de loi, c'est l'adoption et l'accès aux origines. Alors, comme le rappelle Nathalie Parent, qui est présidente d'Enfance et Familles d'Adoption, l'adoption a beaucoup changé ces dernières années. C'est un parcours long et les profils des adoptés ne sont plus les mêmes, avec un nombre croissant d'enfants plus âgés, porteurs de handicap, de fratrie, etc. Mmh. Dans ces conditions, les associations réclament une réforme de l'agrément, fixant par exemple un écart d'âge maximal entre l'enfant et le parent adoptif. Mais surtout des mesures d'accompagnement des familles avant, pendant et après l'arrivée de l'enfant. Il est primordial de préparer les couples candidats et de les informer sur la réalité de l'adoption aujourd'hui, et cela avant la délivrance d'un éventuel agrément, explique la responsable. Elle met aussi Nathalie Parent qui met aussi en exergue les inégalités dans le suivi à long terme des familles adoptives d'un bout à l'autre du territoire, appelant à une promotion des consultations d'orientation et de conseils en adoption. Dans un contexte de tension budgétaire, Nathalie Parent redoute cependant que le projet ne soit pas à la hauteur des besoins. Le texte doit aussi aborder la question des origines dans le cadre de l'accouchement sous X. Voire du don des gamètes aussi. Le sujet est brûlant, les uns plaidant pour une levée de l'anonymat au nom du droit fondamental de l'enfant à connaître ses origines, et de l'autre pour le maintien du secret. Accouchement sous X, à mon avis. Ça me fait penser encore à l'émission Sans aucun doute. Mmh. On avait un témoignage d'une fille, d'une femme qui avait 18 ans, je crois, si je me souviens bien, qui avait parlé de son témoignage et qui est née sous X et qui recherche sa mère parce qu'elle va par rapport à ses elle était enceinte de 6 mois et elle aurait voulu connaître son origine. Alors moi personnellement, ça me choque pas. Bah non, je vois pas ce qui est choquant de savoir ses origines, mais je pense qu'à mon avis. Mais sans donner le nom des personnes, elle peut au moins connaître un petit peu, des origines, un petit peu d'où elle vient, Moi, je pense que, à mon avis, jusqu'à la majorité, ça devrait être caché par rapport à la confidentialité des. C'est pas bête ça. Et après la majorité, ça devrait être dévoilé. C'est pas bête. Moi, je trouve pas ça bête. C'est-à-dire que toi, tu veux protéger donc l'enfant jusqu'à 18 ans. Jusqu'à sa majorité, tu le protèges. Tu protèges l'anonymat des parents. Tu protèges les parents, 18 ans. Tu protèges. Donc tu veux dire l'enfant, tu protèges et à 18 ans, tu révèles tout. Donc c'est pas bête, c'est-à-dire que toi tu proposes qu'à la majorité, on a le droit de savoir la vérité qui est-ce. Bah oui. Parce qu'on est majeur, faut pas oublier. Pas bête, je suis d'accord. C'est pas stupide du tout. Donc mais pas en tant que mineur.
Pas en tant que mineur, parce que ça peut, le pire, si on le fait en étant mineur, si on dévoile tout à un mineur automatiquement qui est né sous X, ça risque de le perturber deux fois plus. D'accord. Moi, c'est pour la vie des... ça risque de perturber la mère biologique, ça risque de perturber l'enfant qui l'est... Les parents. Mais déjà, ça perturbe l'enfant tout court. Et les enfants. Mais ça perturbe l'enfant, plus elle grandit, plus elle prend de l'âge et plus elle se pose des questions. Plus elle se pose des questions et de savoir d'où elle vient. C'est et ça. De... Et à la majorité, et puis, en tant que majeur, pour moi, effectivement, elle a droit. C'est comme ça que les conneries se font. Et puis aussi. Là, tout ce qui est dépression, tout ce qui est. Et puis, c'est tout ce qui est aussi psychologique, quoi. Tout ce qui voilà, c'est pour préserver les enfants, c'est la meilleure solution, c'est de les garder jusqu'à la majorité. L'anonymat, et après, la majorité, c'est de dévoiler... Alors, je tiens à préciser qu'il y a eu, que la ministre de la Famille, Dominique Bertinotti, a créé 4 groupes de travail par rapport à ce projet de loi. Alors, le premier groupe s'appelle Médiation familiale et contrat de coparentalité. Donc, le président s'appelle Marc Juston. Deuxième groupe, ça s'appelle De nouveaux droits pour les enfants, dont le président s'appelle Jean-Pierre Rosenfeld, on en a parlé tout à l'heure. Troisième groupe, c'est la filiation origine et parentalité, c'est la sociologue Irène Théry qui en est la présidente de ce groupe. Et enfin, la protection de l'enfance et adoption, la présidente, c'est Adeline Goutte-Noire. Alors, le gouvernement qui veut favoriser aussi l'adoption simple. Je vais expliquer tout ça. Parce que contrairement à l'adoption plénière dans ce cas, dans le cas d'une adoption simple, les liens de l'enfant avec sa famille d'origine ne sont pas rompus. Le gouvernement étudie les moyens de favoriser les adoptions simples afin de donner une seconde chance familiale à davantage d'enfants recueillis par l'aide sociale à l'enfance, l'ASE, dans le cadre du projet de loi famille. Une citation qui dit « Nous sommes en train de réfléchir sur ce que nous appelons une seconde chance familiale. Pour les enfants qui ne peuvent pas retourner dans leur famille biologique », a déclaré la ministre déléguée à la famille lors de l'émission Complément d'enquête sur France 2. Ouais. Il s'agit pour ces enfants de ne pas forcément rester dans le système de la protection de l'enfance et vivre avec l'étiquette. ASE pour certains de l'âge de 2-3 mois jusqu'à l'âge de 18 ans, mais leur assurer un véritable avenir, a-t-elle ajouté. Alors qu'on lui demandait si cela signifiait favoriser les adoptions simples, la ministre a répondu « Oui, ça fait partie des solutions ». Voilà ce que la ministre a répondu. Contrairement à l'adoption plénière, les liens de l'enfant avec sa famille d'origine ne sont pas rompus dans le cas d'une adoption simple. Madame Bertinotti a souligné que l'adoption internationale se raréfie et qu'il faut faire évoluer les choses en France concernant la protection de l'enfance. Il faut aller vers un système qui certes protège contre une famille défaillante, mais offre une protection pour l'avenir de l'enfant qui est sorti de son milieu familial. Des familles adoptives peuvent apporter beaucoup d'amour et de sécurisation à ces enfants, a fait valoir la ministre. Aujourd'hui, nous avons un système où pour un certain nombre d'enfants, dont on sait pertinemment qu'ils ne vont pas retourner dans leur milieu familial. On attend peut-être trop longtemps de prendre une véritable décision, a-t-elle d'ailleurs souligné. Dans un communiqué, aussi, la députée UMP qui s'appelle Michèle Tabarot a rappelé avoir déposé avec plusieurs députés une proposition de loi en ce sens, qui a été votée en mars 2012 par l'Assemblée nationale et qui n'a jamais été inscrite par la majorité actuelle à l'ordre du jour du Sénat. Quelques 150 000 enfants sont placés dans les services de l'ASE, la plupart temporairement en attendant de retrouver leur famille. Quelques 2345 de ces enfants sont pupilles de l'État. Et oui, on ne l'a pas dit ça aussi, il faut quand même le souligner. Et donc potentiellement adoptable. Quelques 800 enfants sont adoptés en France chaque année. En outre, 1569 enfants étrangers ont été adoptés par des familles françaises en 2012, contre 2000 l'année précédente et 4000 en 2006, selon les chiffres du ministre des Affaires familiales. Ça veut dire que ce chiffre est en constante baisse et c'est pas très normal. Les 4 groupes d'experts chargés de plancher sur la future loi famille doivent rendre leurs conclusions d'ici à la fin janvier. On y est, donc la semaine prochaine je vais en parler. Outre l'adoption, ils doivent faire des recommandations concernant la médiation familiale, les droits des tiers, donc les beaux-parents, les grands-parents, etc., qui sont impliqués dans l'éducation des enfants, ou encore de nouveaux droits pour les enfants. Voilà le sujet. Qu'est-ce que tu en penses de ce projet de loi ? Beaucoup sur l'adoption, hein, il faut quand même le souligner. Par rapport à l'adoption, c'est vrai que là, je me pose
je me pose pas mal de questions parce que par rapport à des enfants qui sont de l'ASE automatiquement, je pense que c'est encore du cas par cas parce qu'à mon avis, le problème c'est que c'est selon les conditions. Et par rapport à l'adoption simple, moi je pense que ça peut être pas mal, mais il y a quand même des risques psychologiques pour le gamin. Ah toi, pour toi, tu as vraiment peur pour le est-ce que tu veux en parler? Alors, est-ce que tu veux en parler? Je suppose que tu veux que c'est un truc personnel que tu veux en parler, je suppose. Ouais. Alors, personnellement, t'as pas été né sous X, on est d'accord. Je suis pas né sous X. T'as été adopté. J'étais adopté depuis l'âge de. Ouais, jusqu'à mes. À l'âge de 5 ans. Mais bien avant, j'étais adopté parce que j'ai fait pas mal de familles d'accueil, j'ai fait des foyers familles d'accueil. Et voilà, moi j'étais, disons que. Le problème, c'est qu'on a. En faisant mes recherches par rapport à mon passé, le problème, c'est qu'on cache. On cache. Oui, mais attends, il y a des éléments qui sont cachés par rapport à l'ASE. Si je peux me permettre, qu'on mette bien ton contexte par rapport à ton histoire. Tes parents t'ont pas abandonné à la naissance. Non. On est d'accord. Non, j'ai été retiré à la naissance. T'as été retiré, non pas à la naissance, t'as été retiré au bout d'un an, il me semble. Par rapport à un an après ma naissance. Un an après. T'as été retiré au bout d'un an. Donc t'as été à la DAS. Ouais. L'ASE aussi, donc on est d'accord. Au bout d'un, donc t'as toujours vécu dans ton enfance par des personnes qui ne sont pas tes parents biologiques. Jusqu'à quel âge? Jusqu'à mes 13 ans, je crois, tu m'as dit. Ouais. C'est ça, jusqu'à 13 ans. Et à l'âge de 13 ans, est-ce que tu t'es posé des questions pendant ton enfance? Qui étaient tes vrais parents? Est-ce que déjà tes parents adoptifs te l'ont dit que c'était pas tes vrais parents? Ah oui, ça, ça a été révélé, lors du procès de mon père. Alors, le procès de ton père, t'avais 9 ans. T'avais à peine 9 ans que tu savais que tu étais au courant. Ouais. Et tu savais que le procès, tu étais au courant que c'était ton père biologique. Ouais. Ça a dû être. Mais je voudrais comprendre quelque chose. Ils te l'ont dit à 9 ans. Ouais. Qu'est-ce que psychologiquement tu t'es dit? Psychologiquement, ça m'a complètement détruit, moralement. Donc pour toi, parce que moi, le problème que quand ils me l'ont dit, c'est. En plus, ils me l'ont dit 2 jours après le procès. À 9 ans. Ouais. Et tu trouves. Et pour toi, est-ce que tu trouves normal qu'on dise. J'avais 15 ans quand ils me l'ont dit. Hein. Alors, quand t'avais 9 ans, quand on te l'a dit, est-ce que on te. Non, j'avais pas 9 ans, j'avais 15 ans quand ils me l'ont dit. Ah, mais non, t'avais 13 ans, il m'a fait sembler quand j'ai vu tes papiers, ton histoire. Quand j'ai vu ton. Pas 95. Oui, plutôt. 95, le projet. Bon. Le procès. Mais il y a quelque chose que je ne comprends pas. Tu l'as su à 9 ans et après ils te l'ont dit officiellement à 15 ans. Et ils me l'ont dit à 15 ans, j'ai été adopté à 9... Oui, ils me l'ont dit. C'est en fin de compte, à 9 ans, je suis tombé sur un courrier qui était adressé justement de l'ASE. De l'ASE qui était adressé à ma famille d'accueil. Et. Je me posais la question pourquoi parce que j'avais une convocation. Et ça t'a pas traversé l'esprit que tu portais le nom tes parents adoptifs ne portaient pas. Mais non, j'ai pas fait tout de suite le rapprochement. Non, parce que je te dis ce qui peut se passer. Là, cas. Pour moi, j'avais pas fait le rapprochement. Alors, toi qui as vécu l'adoption. Toi qui connais cette histoire-là, qu'est-ce que pour toi tu conseilles, c'est-à-dire à ne pas vivre et à vivre. Qu'est-ce que toi tu recommandes? Moi, je pense, à mon avis, si il y a des adolescents, je vais parler au niveau des adolescents. Parce que je pense qu'à mon avis, les recherches au niveau des enfants adoptés, ils ont le droit de le savoir. Ils ont le droit de savoir leur dossier avec la demande du juge des enfants. Mais ça serait bien que les rapports d'assistante sociale du suivi de l'ASE
soit intégrale. Oui, dans les rapports de, dans les dossiers. Alors, je te parlais pas au niveau administratif, je te parle du niveau psychologique. Ah, psychologique, si tu le sais. Comment tu le sais? Plus tu sais que t'as de... Plus tard, ils te le disent que t'es adopté, plus le choc psychologique il y est. Ah oui, mais alors, est-ce que tu trouves pas ça dangereux? Finalement, je te retourne la question, je fais l'inverse. Est-ce que tu trouves pas ça dangereux qu'on dévoile la vérité à un enfant très tôt? Je pense qu'à mon avis, dépasser 10 ans, je pense qu'on peut... Ben, ça peut détruire sa scolarité, déjà. Oui, non, ça mais peut détruire son mental. Adolescent de 13-15 ans, la dépression, je pense qu'on peut le... Non, mais, il est apte à comprendre. 15 ans, d'accord. Mais, 15 ans, voilà. Mais, je pense qu'à 15 ans, on peut t'imagines si un enfant, ce que je veux dire, c'est imaginons qu'un enfant est au courant depuis l'âge de 8 ans. T'imagines le truc. T'imagines ah non, là, c'est une destruction totale. C'est une destruction totale. Donc, pour moi, c'est... Donc, là, c'est même pas la peine, c'est irréversible. Mais tu maintiens quand même ce que tu viens de me dire, que si l'enfant, si les enfants, imaginons qu'il est adopté jusqu'à sa majorité... Il a besoin de réponse automatiquement. Il faut qu'il le sache qu'à 18 ans. Oh, je pense qu'il peut le savoir. On peut l'informer à partir de 15-16 ans. Mais justement, toi qui l'as vécu à 15 ans, tu t'es senti comment? Ah, mais moi, je me suis senti complètement rejeté. Rejeté. J'ai jamais compris pourquoi. T'as jamais compris pourquoi? T'as cherché des réponses parce que j'ai cherché des réponses et même encore, je cherche encore des réponses que je trouve pas. Et à l'heure d'aujourd'hui, maintenant, 15 ans après. Même presque 17 ans après, on va dire, ouais. 17 ans après. Parce que j'ai 33 ans. Donc 17 ans après, tu es toujours dans cet état. Ah ben, 18 de perte ans après, ouais. 18 ans après, ouais. Donc, quoi qu'il en soit, des enfants ça qui sont des sous-X ou qui ont été adoptés. Pareil, vaut mieux jusqu'à la majorité pour des enfants qui sont nés sous-X, jusqu'à la majorité de tenir le secret par rapport au niveau des parents. Et je pense que, voilà. Après la majorité, ils peuvent. Et le fait que tu as cherché des réponses à tes questions, ça t'a pas détruit encore plus? Si. Donc pour toi, tu conseilles quoi? Est-ce que tu recommandes franchement aux enfants qui étaient adoptés de vraiment chercher leur passé? Après, si ils ont le. Ils peuvent le faire, mais s'ils ont toutes les réponses déjà. Si on leur ouvre les portes, qu'on n'essaye pas de leur cacher des choses. Si on leur dit oui, ça s'est passé comme ci, comme ci, comme ça. En gros, parce qu'on en a beaucoup, tu sais qu'on en parle beaucoup tous les deux. Mmh. C'est plus on en cache, plus tu cherches. Ouais, en gros, voilà. C'est ça. Le problème, c'est il ça. Est là. C'est plus on te cache des informations, plus tu vas chercher. Plus tu te détruis moralement. Non, mais plus tu recherches les informations, parce que le problème, c'est qu'on te cache quelque chose qui est la clé de l'histoire, peut-être. C'est la clé de ton passé. Du passé, de ton enfance, de tout ça. Et si on te le cache automatiquement, c'est que... Est-ce que pour toi, est-ce qu'il faut cacher... Est-ce que quand tu cherches des réponses à tes questions, est-ce qu'il faut vraiment cacher... Est-ce que les gens doivent cacher ton passé alors que t'es majeur? Normalement, non. À tes risques et périls. Une fois à ta majorité, normalement, tu prends la responsabilité, puisque à ta majorité, et normalement, et c'est d'un certain sens, je comprends... Pourquoi jusqu'à la majorité, les enfants ne font pas de recherche et après la majorité, ils le font parce qu'ils aimeraient bien savoir d'où ils viennent. Et le pire, le plus dangereux, c'est... Bon, c'est vrai que quand tu es adopté, c'est vrai, le choc, il y est. Mais il est beaucoup moindre. Il est beaucoup moindre, oui. Il est beaucoup moindre de ne pas savoir ton passé et qu'on te cache des choses. D'accord. Plus tu fais de recherches, plus on essaye de te dire, mais non, ça se peut. Mais comme je te dis, tu fais des recherches, mais comme je te dis, moralement, à tes risques et périls. Oui, ça a tes risques et périls. Mais c'est parce que, voilà, tu te... Et si on te dit, ne cherche pas ton passé, c'est une forme de protection, dans un sens. C'est une protection, mais même... Tu passes outre. Mais t'es obligé, quoi qu'il en soit, c'est plus fort que toi. C'est ton subconscient t'ordonne de faire tes recherches quand même. Et comment tu te sens maintenant avec ça? Libéré, moi, tu te sens libéré? La plupart, par rapport à mon passé, je connais la plupart. Mais je sais qu'on me cache autre chose. Je sais qu'il y a des choses qu'on me cache et qu'on me dira jamais.
Mais bon, voilà, maintenant, après, moi, à mon âge, à 33 ans, je sais très bien qu'on ne veut pas me donner les raisons, et je sais très bien qu'on ne les donnera jamais. Alors pourquoi, moi, je me... Maintenant... Bon, mais de toute façon... Moi, maintenant, mon passé, je sais qu'il sera toujours là, mais voilà... De toute façon, j'ai proposé dans les prochains mois, je sais pas, je pense que ça va être en avril, qu'on va faire le sujet des enfants d'Adas. Ouais. De toute façon, ça va être chaud comme sujet, je le sais déjà à l'avance. Mais on va en parler dans un des futurs sujets. Je sais qu'il y en a une autre personne qui n'est pas là aujourd'hui, mais qui écoutera en podcast, qui est concernée, qui je pense voudra en témoigner aussi. Je pense qu'à mon avis, ça va être un sujet qui va. Ça va être dur. Qui demande beaucoup, qui va être très dur moralement et je pense qu'il peut apporter beaucoup de réponses à certaines personnes aussi. Donc voilà, ça c'était le sujet du jour. Merci pour ton témoignage. Au passage, c'était pas prévu, c'était improvisé, non, c'était c'est pas plus mal d'improviser un petit peu. Je pense qu'à mon avis, ouais, par rapport à l'adoption, je pense qu'à jusqu'à la majorité, on peut le cacher à un enfant, mais après la majorité. On doit lui dire la vérité. Retrouvez nos vidéos et nos podcasts sur www.equality-podcast.fr. Voilà, c'est fini. À très bientôt.